vis dans la vraie vie même. Quand tu cries, je compte les décibels. Je sais que tu veux me décimer, mais ma vie s'arrête ici même. Je suis un faux noir un peu trop blanc, je suis comme Eminem. Je parle souvent de mes ennemis, mais je sais que même eux ils m'aiment. Je débarque dans le game, j'ai déjà le code de la wifi mec. Arrête de me filmer, je ne suis pas encore Gucci man. Ça va peut-être pas péter en attendant, je suis le phénomène. Parce que tu sais qu'au fond toi l'instru je la saigne. Je pète pas plus haut que mon cul, je crie ma haine trop fort. J'écoute attentivement les haters parce qu'ils n'ont pas tort. Et plus tu craches sur moi, oui, plus je m'améliore. Plus tu me hais et plus tu crieras mon nom fort. Donc je veux rester discret tout en gardant mes secrets. Et quand je vois vos gueules d'acharnés, bah ça me fait simplement kiffer. Mon rythme te vire ralenti à cause de ce que j'ingurgile. Peut-être tu veux entendre l'album, mais pour ça il faut que tu cliques. Je suis pessimiste donc j'optimise mes chances. J'écris, je mimise, j'analyse pendant que toi tu danses. J'étudie, j'improvise, je disais tu pars en vacances. Avec tout ce qui se passe, je regrette même d'être né en France. Je suis pessimiste donc j'optimise mes chances. J'écris, je mimise, j'analyse pendant que toi tu danses. J'étudie, j'improvise, je disais tu pars en vacances. Avec tout ce qui se passe, je regrette pas de te mettre en transe. D'ici, je veux pas d'atta, j'aime pas les si, je déteste les ça. Arrête donc d'observer mes pas, tu ferais mieux de regarder devant toi. T'es devant moi, je peux pas te voir. T'es derrière moi, je peux pas le croire. Que tu sois comme tous ces bâtards qui savent parler. Mais que de moi qui savent écrire mais pas d'histoire. Qui savent trahir sans désespoir. Si je te punis je le fais pour toi. C'est ton QI qui pense pour toi. Active le quand t'es devant moi. Ça vaudra peut-être mieux pour toi. Et ta vie qui ne fait pas le poids. C'est triste à dire je te vois nulle part. T'es sur ma liste depuis long time. Tu penses à moi presque tous les soirs. Tu laisses la lumière allumée. Parce que maintenant t'as peur du noir. Car dans le noir tu peux pas me voir. Tu prends une arme, tu sors le soir. Et de me voir. Mais c'est trop tard. Mes couilles tu rêves et de les avoir. Yeah, yeah. Vis dans la vraie vie mais t'es encore là. Tu devrais me remercier mec. Merde, parce que ton âme s'éteint ici même. Prends sur toi au lieu de prendre du poids et va niquer ta mère. Je suis pessimiste donc j'optimise mes chances. J'écris, je mimise, j'analyse pendant que toi tu danses. J'étudie, j'improvise, je disais tu pars en vacances. Avec tout ce qui se passe, je regrette même d'être né en France. Je suis pessimiste donc j'optimise mes chances. J'écris, je mimise, j'analyse pendant que toi tu danses. J'étudie, j'improvise, je disais tu pars en vacances. Avec tout ce qui se passe, je regrette pas de te mettre en transe. RBS. Le gars pas dit moi mon mal élevé. Parce que la maté bah moi bon éducation. C'est juste là où il y a qui les bas moins souper. Parce que moi ben j'y a sans modération. Moi sorti ma dabi comme Guadaloupe. Yo fait que j'en ouais nous qu'on des bons garçons. Donc ni pour qui s'agit à pas modérer. Moi pas même qui paye et puis de petits glaçons. Hein? Go, ou la qu'a douté. Hein? Ma clavia en les corps. Moi, rien qui déroule fa qui bo. Moi, bo, moi. Si moi pas en laisse ça, ben moi pas en laisse ça. Pas la peine d'insister, ouais, moi pas en laisse ça. La ni combien chimé, la ni combien choix. La ni combien chien, avec la ni combien poids. Le sale de la zone, le sale de la zone. Les négos sont cagoulés, les combats sont cagoulés. La dope elle est bonne, la dope elle est bonne. Tu le vends pour les gens roulés, le vent pour les gens roulés. Mais qu'est-ce qu'elle consomme, ouais, qu'est-ce qu'elle consomme. Super jus vitaminé, okay. À la recherche de sol, à la recherche de money. Les négos sont déterminés, okay. Le sale dans la zone, le sale dans la zone. Les négos sont cagoulés, les négos sont cagoulés. La dope elle est bonne, la dope elle est bonne. Tu le vends pour les gens roulés, tu le vends pour les gens roulés. Ouais, qu'est-ce qu'elle consomme, ouais, qu'est-ce qu'elle consomme. Super jus vitaminé, à la recherche de sol, la recherche de drogue. Les négos sont déterminés. Ok, 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 ok. Savent que mon pas besoin plus de temps. No. Bichou les savent Gucci moins distant. Ou trop sur côté, ouais, qu'on mise France. Fuck. Nègue qui sac à aller, toi fais moi ça aller. Moi poco même pas aller, mais bitch là les coquets. Hein? Non, ça pas sérieux. No. Moi qu'à des places dans les deux sens. Okay. Ton avis, tu sais ce que j'en pense. Sache-le. Attention, ça change de cadence. Okay. Je les ken depuis l'adolescence. Normal. Mama, mi, mama, mi, la. Mama. Ça court après la moula. Oh. Madini, madini, la. Nègue sorti Africa. Je ne crois pas aux coïncidences. Toujours dans de vieilles manigances. T'es inutile comme tes dépenses. Fuck.
pas besoin qu'on fasse connaissance. Pas vini là. Si on casse la police là, ça oublie que modifia. Si il est walk on les viva. Le sale dans la zone, les négos sont cagoulés. La dope elle est bonne, tu vois pour mes joueurs roulés. Qu'est-ce qu'elle consomme, super jus vitaminé. À la recherche de ça, les négos sont déterminés. J'espère un jour refiler le flambeau à mon gosse, c'est vrai. Ok, la vie fait que certains quittent le navire. Par appétit ou pour le ciel, je leur écrirai tant que je respire. Dernière ligne droite, un dernier souffle. Je pourrais dire que je l'ai fait avant que la mort ne me couche. Touché au foie par cette musique, il y a des rêves qui se réalisent et d'autres qui nous rendent asthmatiques. 20 ans au service d'un art armé. Hip-hop, respect, fuyez ou restez. Restez. Cara, poète de la ronça. 20 ans sont de la rue. 6-7 boostra. J'ai de la ketama, de la ketama. Découplé de la fuite. Mélodie des briques, mélodie des prix. C'est les sons de la rue. C'est les frérots, c'est Cara. Je vous présente ma sup. Ma sup. Je suis un artiste boycotté, toi t'es surcoté. Wallet, c'est ça qui est la vérité. MOU2S, le son de la rue. Big up, réussite, longévité. Ils nous sous-estiment, je les traite de pute. Normal, j'ai le franc parler de Gainsbourg. J'ai rappé à Paname, ils ont validé Strasbourg. Place au diamant, j'rappe sévère. Oh oui, j'rappe sévère. J'veux réaliser mes rêves, Guinness. Oh oui, comme Guinness, ça fait 20 buts que ça persévère. Oh oui, que ça persévère. Le rap français sans moi, c'est beau, ça sent la place Kléber. J'ai de la ketama, de la ketama. Découplé de la fuite. Mélodie des briques, mélodie des prix. C'est les sons de la rue. C'est le frérot, c'est Cara. Je vous présente ma sup. Ma sup. Hello, ça fait long time qu'on cale nos voix sur l'instrumino. J'en ai perdu, on se greffe avec le beat au studio. J'ai jamais fait mes devoirs, non, j'écrivais des textes. J'ai jamais appris mes leçons, je récitais mes 16. Le hip-hop c'est mon école, celle avec laquelle je mène le combat. Aussi magique pour s'en sortir qu'un abracadabra. Quand le système te délaisse, c'est les grands de la rue qui prennent leur lait. Choisis tes profs pour ne pas être abandonné. Je te parle d'une culture de richesse, de tradition, loin de celle choisie par l'État. L'État d'élitiste, les institutions. On a aussi nos poètes, porte-parole, nos intellectuels. On a aussi notre propre langue, code et rituel. On craque pas par passion, même dans la jusqu'au cou, en guise de prestation, on ira jusqu'au bout. À bon entendeur, on brandit nos mœurs, on prend le bas de combat. À bon entendeur, on brave, on repasse nos skulls en coma. La persévérance, voilà ce qu'on a en commun. Et comme un seul homme, on se lèvera comme Malcolm, comme Martin Luther King, comme Che Guevara. Pour la lutte, on crèvera. R.I.M. Toujours off street, c'est pour les 20 ans des sons de la rue. J.S.T.R. Entends l'écho de mon paragraphe, ça vient des sons de la rue. J'rappe, rap, laisse une trace de ton vécu. Sans pitié face à la prod, face à elle des carnivores. Fais les yeux doux à ta feuille blanche pour ne pas que l'inspi t'ignore. Le style est d'or, j'te la corde. Si t'as pris, on sait pas l'argent, fly des corps. Si t'es d'accord, les bastos tirés du micro. Tous en peine quand y'a de la scène. Lyrics crédibles pour pas que j'me sème. Tous solitaires, personne dans le rétro. SDR, pointilleux comme un militaire. J'entends partout, fais les terres. J'les écoute pas, les jaloux parlent. Mais ne savent pas faire, je me fais rare, le rap et moi. On est en
conflit permanent. J'avais une vision de ce game, maintenant c'est pire qu'avant. Sans cesse dans la sincérité, je me vois pas faire autrement. Je suis loin d'être bon, je le conçois pour un ancien garnement. La trentaine qui approche, je suis plus hip-hop que l'hip-hop lui-même. Le succès te remplira les poches, te dira vraiment qui t'aime. NLR, les sons de la rue. C'est les 20 ans Zougo. Je te parle d'où ma plume a grandi, d'où elle a écrit ses premiers mots, d'où j'ai senti cette alchimie à cette époque où je me croyais mort. J'en ai tiré les bonnes choses, ils m'ont transmis leur savoir. J'ai tout pris comme une osmose qui ne cesse jamais de s'accroître. Retourne t'entraîner avant de parler de buzz, j'ai qu'un critère que je te plie sur le ring. J'ai enchaîné les phases, les punches, c'est le cimetière de mes figurines. En cabine, je me sens revivre, c'est comme un confessionnal. Je n'ai pas peur pour son avenir, tout dépend de ce qu'on fait de son âme. La gloire, pas le temps de se la titrer. Elle est pour toute ma vie, entre nous ce n'est pas de l'amitié. C'est une famille, j'y ai trouvé refuge dans chaque miroir. Loin de la plume, de la magie noire, les sons de la rue c'est une partie de moi. C'est mon armure, c'est mon patrimoine. Allez, faisons la fête, c'est des 20 ans. Qu'est-ce qu'on attend, les breakers fassent tourner la tête. Qu'on pousse le son dans les tympans. Je me répète, faisons la fête, c'est des 20 ans. Qu'est-ce qu'on attend, que l'on ait tous le cœur en paix. Ça dure encore au moins 20 ans. J'ai ta money, j'ai quitté mon taf pour rejoindre les guerriers des sons de la street. Créer mon art sauce des vieux arts, car une nouvelle vague m'attriste. Descendant de cette génération, qu'avait la plume aiguisée. Écrivez pas pour les fils de ceux qui travaillent à l'Elysée. Capé avec la voix, telle qu'ils étaient sans se déguiser. En travelot ou en alphabète, au cerveau j'avais lisé. J'ai mis un pied dedans, j'peux plus faire marche arrière. J'avance à côté de ceux qui ont pété toutes les barrières. Et je ratais ma carrière, nique l'industrie du disque. Ici on vit d'amour et de passion pour la musique. Yeah, Junior. Schnappant. Pour les 20 ans. Pensez, Lefty, N-O-R-D. Yeah. Le temps passe et rien ne change, certains diront que c'est maintenant. Si le savoir est une arme, ça peut se finir en bain de sang. Toujours bien dans mes vêtements, pourtant ils rêvent que je sois malhonnête. Rien à foutre de leur poupée nue, je serai pas une de leurs marionnettes. Donne-moi une direction et j'irai dans le sens contraire. Depuis l'adolescence, pas de chance, toujours au change, compère. Le cul entre deux chaises, un peu de vice, beaucoup de vertu. Ils me parlent souvent de verdure, laisse-les croire que je suis perdu. La réussite me fait de l'œil, mais je crois pas qu'elle est partante. Mes poches sont toujours vides, pour ça que je ne paye rien pour attendre. Morale de battant, je me pose le siège et vacante. Mince et loin, je ne sais même pas si je vivrai jusqu'à mon prochain battement. Et comme grand corps malade, j'attends mon heure. J'ai opté pour le voyage en train, mais je suis tombé sur le contrôleur. Ne pointe pas mes excès si t'es toujours dans l'abus. Ne me parle pas de respect si t'en as aucun pour les sons de ma rue. Ah ah, Ginès,
20 ans, ça nous rajeunit pas tout ça. Pour les sons de la rue. J'ai réalisé mes rêves. Kicker dans les micros des sons de la rue. Aujourd'hui je débarque avec mes mots, mais qui l'eût cru. Une seule adresse où aller, je te le dis sans arrêt, y'a que des vrais. Attends de voir la suite, suite, l'atelier, les sons de la street. Mes premières phrases en cabine, mes feuilles blanches pleines de rimes. Quand je ramène tout mon terre-terre, le hip-hop, je le déterre. Les jeans sont de retour, un comeback imprévu. Tous nés au pied d'une tour, oh my, c'est les voix de la rue. Premiers sont enregistrés au son de la rue à 12 piges. Au son de la rue à 12 piges. Ça chiquait déjà pas trop mal, on était jeunes et cons, fils. On était jeunes et cons. Ça se putait à ras boule au collège, on se tapait des barres à gratter nos premières rimes sur nos agendas. Ça rappait, ça bédavait la vie, c'était ça. On a cramé des cahiers, des phases et des phases et des phases. L'eau a coulé sous les ponts et j'ai cramé des wacks. Gravé mon blast sur les bancs dans les parcs de Panama Strass. Retour à la joie, mon kiff, ça m'accaille. Claque dans la face de tes filles, ça va passer. La mise à la page et la rime, on a peint pour raviver la flamme, on gravit les montagnes. Toujours envie de tout bouffer, la vie de Wham. Toujours en place, les projets sont sortis. Les rochers des torpilles, ça a pas arrêté. Décocher les losties, poser des gros styles. Y'a plein de sourires dans le bactage. Ça part de musique et de partage. C'est que du kiff, comme entendre la rumeur du public depuis le backstage. On n'a pas lâché l'affaire, fat comme un monster truck. Bat mec à foutre le spell. Il porte non-stop ma gueule, j'crois qu'elle a tout ce que j'veux. Dehors il gèle, pose ton cul, lève ton verre au son de la rue. C'est que des purs souvenirs, sincèrement pourvu que ça dure. 1996, 2016, le son de la rue, toujours là. Maëva. Les sons de la rue, les origines de mes tout premiers featuring. Du temps où les MC faisaient confiance à une gamine. J'ai de mes armes en cabine, à la force de mes rimes. Que vive le hip-hop qui a plus de verbes que de bling. Pas besoin de chanter en slip si je sais que mon flow fait la paix. Ici la musique a l'art et la manière. Bien dans les converses, pieds dans les tranchées depuis longtemps. Ils savent que je vendrai pas mon East Pack pour qu'on m'entende. Elle court vite la petite, petite, elle écoute au port quand les pépites de sa ville sortent sur les ondes. Elle perpétue comme elle peut la chance qu'elle a eue en attendant de changer le monde. Elle sourit chaque fois que le travail sort des sons de la rue. Des sons de la rue. Et qu'il s'écoute dans la rue. Souris chaque fois que le travail sort, parce qu'il s'écoute dans la rue. La rue, la rue. Yo les filles anciennes des win devine qui vient reprendre le micro. Soldat me fia, soldat biline, je veux surtout pas en faire trop. Je veux simplement rendre un hommage, les sons de la rue, 20 ans d'héritage. Je suis comme plongé dans un gros livre d'histoire et dont on a du mal à tourner les pages. Je récolte toujours ce que je sème, dans la vie appelle-moi Sem. Je te sers un rap anniversaire, te raconte mon histoire de la scène. MLF nouvelle ère, action féministe au sommaire. On prend le micro entre sœurs, entrée plat et dessert. 30 ans passés presque mère. On garde toujours notre savoir-faire. Nos paroles sont éphémères. Les textes se remplissent dans le classeur. Je retrace les années passées avec sagesse. Ma tête remplie de souvenirs. Mon répertoire plein d'adresses. Les sons de la rue comme base, comme socle, comme pilier, comme point de repère. Et sur la terre, y'en a des milliers. Y'en a des milliers. Te rappelles-tu de moi? Te rappelles-tu de mes pas? De cette voix timide et nonchalante sur l'instru, c'était moi. Sans fin, c'est l'écurie de la Gacan. Sans pur son de la rue revient pour l'avènement. On est enfants de l'exo, des enfants nés
sous le même drapeau. Des quartiers ou des ghettos, et peu importe la couleur de nos peaux. Yeah. En 9-4, j'ai pris le mic et j'ai shooté dans la cam. L'équipe reste la même et les retrouvailles sont en larmes. En 9-8, la belle époque, les potes et puis l'album. Je te remercie Anne, je suis femme, mère libre et même maçonne. 2-0-0, mafia choque le réseau. Avec ma sœur, on nous en parle encore, c'est mon cadeau. 2-0-0-8, billing c'est la suite. Pour certains c'est la fuite, mais le temps passe et on est quitte. Le 6, G.O.D, les sons de la rue, la vraie, on fête la nif, on est reparti pour 20 ans de plus. Viens pas ici, l'air pur sera défi, on se transforme en monstre, la pauvreté c'est maléfique. Agressif, n'épargne pas les orphelins, on n'épargne pas les filles. Cours, là les flics. Chacun purge sa peine, pas d'équipe pathétique. Le temps de vie d'un smic, le cœur tourné vers l'Afrique. Je ne parle pas d'éthique, hommage vibrant. Mon bloc c'est un ex-bateau de migrants. Je vise grand, puis si le français veut pas le travail, je lui prends. Je suis dedans, je lâche tout, mi négro, mi babtou. Je vais peut-être vomir partout, je connais mes atouts. Ça casse ou ça passe crème. Éteins le poste si t'es pas prêt. C'est le son de la rue, la vraie. Les gros écrits pour une paire. Pas vu, pas de preuves. Donc à continuer de faire ce qu'ils peuvent. On fait ce qu'on a à faire. Je retiens pas leur plage. J'écoute pas ce qui déblatère. Je rapperai jamais comme si je ramasse l'argent par terre. 20 ans à écrire l'histoire. 20 années de mémoire. C'est quoi? De mémoire d'anciens, y'en a pas 20. D'aussi belles histoires. On est entré dans la grande histoire, sans jamais rentrer dans leurs petites histoires. On a démarré petit, on a grandi, formé les petits, pour que les petits grandissent et s'occupent des petits à l'heure. 20 ans de projet, 20 ans de labo, 20 ans de rappeur. 20 ans de métier, 20 ans de bouteille, 20 ans de labeur. Sans jamais lâcher l'affaire, 20 ans de victoire, 20 ans de défaite, sans jamais trahir le rêve, 20 ans d'espoir sans prise de tête. Le vaisseau mère et son équipage, 20 ans d'âge, toujours pas saoulé, toujours pas sage. Galactique, on a traversé les espaces et le temps. On a vu des têtes et le monde changer de face et de comportement. De la ref next mal à race, boule au mic. On rappe toujours, même si me fiat dans le race. Au moins nombreux s'en bat des tours. On a la haine et le respect depuis le berceau. Dans le quartier des rimes, on a fait la potion du son poteau. On est toujours là, papa. Toujours à charbonner, monter les étages par l'escalier de secours. On est toujours là, papa. 20 ans qu'on nous enterre. Mais ce qui tue parents plus fort à nos 20 ans. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sévère. Écoute ça. Les sons de la rue. 20 piges les gars, 20 piges. Hey yo, les sons de la rue, 20 ans déjà, je sais pas par où commencer. Je vais devoir remettre au clair mes idées, mettre à jour mes pensées. 96, c'est 14 piges pour moi, c'est là que tout a commencé. Non, attends, je crois que je me suis trompé dans la date, mousse, c'était... Un 999, débarque en guest pour la première date. Ma première fois en studio, dans ma tête, ma première chance d'être vu pour ce que j'étais. Une MC parmi les meilleurs. C'est comme ça qu'elle me fia et qu'on a fait parler de nous. Et yo, vous, tu te souviens? Les concerts en Allemagne à la Villette. Les premières parties d'Assassin et Super Saiyan. On en a fait du chemin à Strasbourg. Les sons de la rue, une valeur sûre, sévère. Tu connaissais mon place, maintenant tu sais d'où je suis. Bon, ok, ça va. C'est bon. On sait que les sons de la rue ont 20 ans maintenant, on a compris là. Ça fait 20 minutes là que ça tourne là. Tu sais, on peut aussi dire que... 20 ans de rap, 20 ans de texte, 20 ans de flow, 20 ans de galère, 20 ans et quelques kilos, tonnes de gouttes de sueur tombées en salaire. 20 ans de ma vie, des hauts et des bas, 20 ans de combat et de débat, 20 ans où je suis passé des petits concerts au salon où 5000 personnes levaient les bras. Un 994, j'ai bu la potion, mes premières phases, mes premiers sons. Deux ans plus tard, Zoël Bossy shootait la meca, donc il fallait faire très attention. R.A.B.S, Rock'n'Style, y'avait l'Hacienda, y'avait Canaille, y'avait Soulcy, Bidi Badoulé, Cheka Dupura, R.P.L. Rai, Dila GSM, Queen Abiba, M.A.H. de The Coulard.
Garrosh, Lex Mala. Les années ont passé, entraîné, respect les albums sous influence de Che Guevara. Y'avait Meufi à l'Eras, Boupo d'impact. Les suites de tournée, tout le monde prenait des packs. Le répertoire s'est bien rempli de contacts. De souvenirs sont gravés sur disque compact. Je souffle sur les bougies de ma mémoire. Qui vivra verra donc, attendons de voir. À nos débuts, personne n'avait cru. Maintenant tout le monde dit, faut le voir pour le croire. Je m'adresse à ceux qui nous suivent pendant des années et à ceux qui n'étaient même pas nés. Si tu t'es jamais renseigné, maintenant tu nous connais. RBS 91.9 FM à Strasbourg. Et il est 19h02 dans la 13. J'en ai rien à foutre, faut de la maille pour remplir le bec. J'ai la dalle, faut trouver un fesse. Foot, mon ventre il gargouille, je casse. Tout nique tout, j'en ai rien à foutre, faut de la maille pour remplir le bec. J'ai la dalle, faut trouver un fesse. Foot, mon ventre il gargouille, je casse. Tout, je vais chez le pack, 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 pack. Car j'ai plus de me parle pas, pack. J'ai te fusil, pack, pack, pack. Passe vos poussies, j'éclate ta sale face, trop de soucis. Pack, 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 pack. Car j'ai plus de me parle pas, pack. J'ai te fusil, pack, pack, pack. Faut pousser, j'éclate ta sale face, trop de soucis. J'suis dans la trap machine, quand j'm'agite, j'roule comme en Jamaïque. Mes rimes sont chamaniques, c'est pas dramatique, t'aimes pas la zik. Certains de vous sont finis à la zik, gros c'est pas facile, non, non. Il me faut du cannabis, faut que j'me canalise pour pas finir à l'asile. Y'a pas de couplet, sol vient découper, farflot de toutes les sortes. Coupé, stop, j'te couche si t'es stock. J'coupe plus vite que les cops, faites gaffe, ça va popper. Beu comme épinard de popée, j'ai 10 grammes alors j'suis pépère. Y'a pas de problème, y'a pas de promesse dans mes poèmes. Par contre, y'a du pollen dans mon totem. J'suis fatigué. J'ai baptisé, j'ai pactisé avec le diable. Et j'ai pas quitté, je vais pas te viser. Je vais me focaliser sur le feuillage. Je fais des vocalisés, je fume des grosses barres. Tu m'as localisé dans tes cauchemars. Hey, tout est une question de dosage. Je taffe mes sons et sont au chômage. Quand je suis fatigué, j'ai baptisé, j'ai pactisé avec le diable. Et j'ai pas quitté, je vais pas te viser. Je vais me focaliser sur le feuillage. Je fais des vocalisés, je fume des grosses barres. Tu m'as localisé dans tes cauchemars. Hey, tout est une question de dosage. Je taffe mes sons et sont au chômage. Douceur pour ces papi papi. Elle me suit pour faire du papi papi. Oh, j'fume du paki paki. C'est pratique, j'navigue mais c'est pas dynamique. Ça me fatigue, fatigue, hey, wow. Pourtant j'reste au sommet de la pyramide. Faut être charismatique, pas être statique. J'suis fatigué mais j'reste dans le thématique. Oh, j'suis fatigué, j'ai baptisé, j'ai pactisé avec le diable. Et j'sais pas quitter, j'vais pas te viser. J'vais me focaliser sur le feuillage. J'fais des vocalises et j'fume des grosses barres. Tu m'as localisé dans tes cauchemars, hey. Tout est une question de dosage. J'taffe mes sons et sont au chômage. Paranoïaque, paraxacothérapie, ma gueule. Je voulais défendre l'homme jusqu'à la mort. Faire changer les dogmes, embellir le décor. On était plein au départ, aujourd'hui je me retrouve solo. Car ils veulent tous leur vie de merde, défendre leur vie de prolo. Quand même, hip-hop me parle concurrence. Quand même, tes potes me jugent à l'apparence. Comment garder espoir, ils ont tué Pachamama. À coup de glyphosate et d'or noir, mise tout sur les accessoires. Je voulais défendre la femme, mais elle aussi m'a trahi. Je veux pas faire d'amalgame, mais elles m'ont toutes menti. La vérité, comme le naturel, revient au galop. Ils veulent pas juste une poire, non, tout le gâteau. Va te faire avec tes caprices d'enfant gâté. Et t'oses encore me dire en face que pareil que tu ferais. Putain, vous me dégoûtez tous, tous autant que vous êtes. Bête et bien éduqué, qu'est-ce que tu veux test? En trombe et lumière, je suis du père comme un con. En trombe, j'énumère ou rap mes démons. L'homme bon ou mauvais, j'ai toujours pas de réponse. Pourtant des tonnes d'hypothèses, mais je me noie dans la défonce. En trombe et lumière, je suis du père comme un con. En trombe, j'énumère ou rap mes démons. L'homme bon ou mauvais, j'ai toujours pas de réponse. Pourtant des tonnes d'hypothèses, mais je me noie dans la défonce. J'irai défendre l'homme jusqu'à la mort. Faire changer les dogmes, embellir le décor. Pour que demain soit meilleur pour nos frères et nos enfants. Pourquoi partir ailleurs, c'est la merde partout, non? Y'a tout t'as remplacé, ouais tout t'as repensé. Peut-être commencer par éduquer tous nos gosses égarés, séparés de leur nature par une technologie tarée. Arrêter de se mentir et au pire se préparer. Ils n'ont pas de pitié, je dirais aucune émotion. Ils sont prêts à tirer, d'amour n'ont pas de notion. Osons le point levé, faire face à leur violence. D'autres
sont nos pensées pour faire pencher la balance. J'irai défendre la femme car elle m'a tout appris, car elle m'a fait comprendre que chaque acte a un prix. Que tu paies cash ou à crédit, le temps rattrape les erreurs. Tu peux brûler toutes les pages, ton histoire reste écrite. En trombe et lumière, je suis du père comme un con. En trombe, j'énumère ou rappe mes démons. L'homme bon ou mauvais, j'ai toujours pas de réponse. Pourtant des tonnes d'hypothèses, mais je me noie dans la défonce. En trombe et lumière, je suis du père comme un con. En trombe, j'énumère ou rappe mes démons. L'homme bon ou mauvais, j'ai toujours pas de réponse. Pourtant des tonnes d'hypothèses, mais je me noie dans la défonce. Je suis comme Gandhi avec un format G-char, ou comme un bandit avec pas un dinar. Comme ce poivre au sans pinard. Bref, je crois que t'as saisi que je sais pas trop où j'en suis. Comme mon frère, je suis indécis. Décide-toi vite, vite, c'est ce que je me répète. N'hésite pas, tire, tire sur ces marionnettes. Méfie-toi, prie, prie, ils sont malhonnêtes. Déchire-toi, vive, vive, c'est ce que je me répète. En trombe et lumière, je suis du père comme un con. En trombe, j'énumère ou rappe mes démons. L'homme bon ou mauvais, j'ai toujours pas de réponse. Pourtant des tonnes d'hypothèses, mais je me noie dans la défonce. En trombe et lumière, je suis du père comme un con. En trombe, j'énumère ou rappe mes démons. L'homme bon ou mauvais, j'ai toujours pas de réponse. Pourtant des tonnes d'hypothèses dans la défonce. En trombe et lumière, je suis du père comme un con. En trombe, j'énumère ou rappe mes démons. L'homme bon ou mauvais, j'ai toujours pas de réponse. Pourtant des tonnes d'hypothèses, mais je me noie dans la défonce. En trombe et lumière, je suis du père comme un con. En trombe, j'énumère ou rappe mes démons. L'homme bon ou mauvais, j'ai toujours pas de réponse. Pourtant des tonnes d'hypothèses, mais je me noie dans la défonce. Paranoïaque, taraxaco, thérapie, ma gueule. C'est parti, deuxième instru, toujours en Lavendaï dans Hip Hop From Alsace. Ok, CSL, paranoïaque, check ça, VITO, Vito au refrain, aïe aïe aïe. Déjà tout petit, on me parlait que de ça. Fiché par les peu ça, peu savent ce qu'est d'être brave. La jalousie donne bien la rage, je vois que ça bave. Je vais à la SPA pour ça, je poucave. Les DNA ne manquent pas d'ADN. Récit de pouvoir, drogue et scène obscène. Je crois pas que ça vous gêne, c'est ça que j'anime. Et vous, je vous réanime. Un fuck à la SACEM, sans elle, on récoltera tout ce qu'on sème. Tout nous réprime à part les moments saines où seule la salle fait office de testeuse de thème. Je me plains pas, je fais le point sur Paplard. Ça te plaît pas, alors ça s'empire. Si parler pouvait permettre au tir de pas louper les points à faire péter. Prévoir avoir le pied lourd pour le parcours d'un tas de discours. Persévérance et les bonnes pompes pour une longue danse. Ça reflètera tout ce que tu penses. Si les tannis nous prennent pour tapis, tant pis. Ici je m'adapte, je serai jamais admis ou ami d'une personne croyant me l'avoir mis. J'tard ou mitard, c'est pas les victimes qui sont soumises. Avoir plus de gorge que Katsumi, c'est pas mal. Les vraies famines ou le tsunami, c'est banal. Les tabous meurent, contraignant à la bonne humeur. Comme une tumeur dont certains ont peur et d'autres en pleurent. Dites-moi si Dieu est loué, qui est son propriétaire. Jeunesse en manque de savoir, jeunesse en manque de pouvoir. Paraît qu'il n'y a pas d'issue, mais on ne s'avoue pas vaincu. Méfie-toi, il prépare la battue. Dans quel camp seras-tu? Humain ou sans cœur, défunt ou vainqueur. Il n'est jamais trop tard pour réveiller son âme égarée. Retrouver cette sincérité qu'on puisse jurer de liberté. Tout est là, on n'a plus qu'à agir pour bâtir notre avenir. Déconstruire ton empire est énorme et tes codes, c'est énorme. On s'accorde au sol majeur. En l'air, père, par la foi, l'espoir et le moteur qui nous libère. En traduction, jalousie, trahison, insomnie, manque d'ambition et amnésie. Bâtissons le paradis, de façon y'a pas de plan sans enfer. Vu ce qu'ont fait nos ancêtres, sur un air de vrai pura, on passe un message d'amour. À court de moyens, pas d'idées pour faire vriller leur tour. Leur tourne, c'est rien de le dire, chaque instant faut qu'on savoure. Hip-hop, aux antipodes de cette époque. Connaissance et tolérance, tu dérapes et tu m'attrapes. Hip-hop, un bateau de guerre sans capitaine. Tu navigues et tu dérives avec la rage dans les veines. Hip-hop, aux antipodes de cette époque. Connaissance et tolérance, tu dérapes et tu m'attrapes. Hip-hop, un bateau de guerre sans capitaine. Tu navigues et tu dérives avec la rage dans les veines. Hip-hop, CSL, paranoïaque, aïe. Boum boum, CSL à la prod. Brr. Big up à tous. C'est parti, troisième instru, on balance ça. Petit big up au poteau Loul. Boum boum. Il y a écrit le refrain aussi. Écoute ça, écoute ça.
passant. Paranoïaque, man. Le passant, c'est pas qu'un nom de scène. Ma réalité des faits, on n'emportera rien au ciel. Le jardin d'Éden nous est promis, nos élites le torpillent. Et je traverse le tempi que Babylone m'ordonne de vivre en désaccord total avec la ville à vrai. Insupportable de voir ces caves nous représenter ou de vouloir nous dresser au grand siècle du plastique. iPhone, selfie, podium et chirurgie esthétique sont de normes. Faut les billets pour la 4G, le petit collier sapé comme jamais. Avec le matos sorti de leurs ateliers, sinon t'es grillé. Alors, sois un bon rabouin, fais-moi un signe si les choy déboulent. J'suis un vieux babouin. J'ai des méthodes que personne n'approuve. Pas sûr que demain je me retrouve encore ces coins au dépôt. Quand je suis pas dans leur moule, leur move, ils me le font payer plein pot. Obligation de marcher entre leurs balises de merde. Interdiction d'avoir dans ma valise un tout petit peu d'herbe. Faut dire amen à leur contrôle, à leur méthode où ils nous mènent et sans révolte. Faire ci, faire ça à la vitesse du Saint Bolt, mon pote. Faire ci, faire ça. Fais ci, fais ça. Vas-y, paye 100 balles. Pour qui, pourquoi? Ils veulent qu'on se sente mal. Et le sens dans cette bêtise, c'est un scandale. Ma vie peinard, on s'en bat. Fais ci, fais ça. Vas-y, paye 100 balles. Pour qui, pourquoi? Ils veulent qu'on se sente mal. Et le sens dans cette bêtise, c'est un scandale. Laissez-moi vivre ma vie peinard, on s'en bat. Il faudrait que je trouve un thème, ou peut-être qu'il n'y en aura pas. Il faudrait que je force un texte de merde pour être rentable. Il faudrait que je trouve un taf, un vrai, pour être solvable. Il faudrait que je fasse ci, que je sois comme ci ou comme ça. Ils me gavent avec leurs normes, d'ailleurs faudrait que je me rase. Ouais, ils me barbent avec leurs clichés de juif ou de djihad. Ouais, ils me barbent. Il faudrait que j'arrête de dénoncer haut et fort qu'on nique la planète. Il faudrait que je sois au lit aussi performant que Mike Horn. Il faudrait que je sois poli et ce même avec les ivrognes. Je devrais être parfait dans ce monde dégueulasse. Je devrais être meilleur que le premier de la classe. Je devrais, il faudrait un peu plus, un peu moins. C'est trop pas assez, toi t'es le king, je sais bien. Je suis comme je suis, loin de la perfection. Hey, t'as vu, je roule en Clio, j'ai pas besoin du million. Fais ci, fais ça. Vas-y, paye 100 balles. Pour qui, pourquoi? Ils veulent qu'on se sente mal. Et le sens dans cette bêtise, c'est un scandale. Laissez-moi vivre ma vie peinard, on s'en bat. Fais ci, fais ça. Vas-y, paye 100 balles. Pour qui, pourquoi? Ils veulent qu'on se sente mal. Et le sens dans cette bêtise, c'est un scandale. Laissez-moi vivre ma vie peinard, on s'en bat. Fais ci, fais ça. Vas-y, paye 100 balles. Pour qui, pourquoi? Ils veulent qu'on se sente mal. Et le sens dans cette bêtise, c'est un scandale. Laissez-moi vivre ma vie peinard, on s'en bat. Fais ci, fais ça. Le passant paranoïaque. Écoute, ils veulent qu'on se sente mal. Bon, on arrive au dernier morceau du coup déjà. C'est ça, déjà, hein, ça passe vite. Trop vite. La dernière instru, c'est parti, on balance ça. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor. Tout est faux dans ce monde où l'argent gouverne. On met des paillettes et des strass pour combler le vide. J'analyse des informations et vois qu'ils nous bernent. Volent nos identités, les Nabila deviennent guides. Besoin de ci ou de ça, une époque où le bonheur s'achète. On touche la forme par le fond, 150 mètres carrés de mal-être. Épaté, la foule c'est ce que tu veux faire, égaré. Tes mensonges vont te perdre. T'as donné ton âme au diable, effacé ton identité. A oublié d'où tu venais, encore pire qui t'étais. Tout est faux, ça me dégoûte, même le sourire la boulangère voudrait tous être ailleurs, meilleur que ses compères. Il veut des plus gros seins, elle veut des plus grosses couilles. Tu veux des plus gros joints, il veut des plus grosses douilles. Une histoire sans fin, comment faire sans magouille? Pouvoir paraître enfin comme le fait la gargouille. Superficiel est le monde qui m'entoure. On s'y perd facile, et l'image nous joue des tours. On juge les apparences jusqu'à y perdre la vue. Depuis toujours le singe regarde le doigt quand tu lui montres la lune. Superficiel est le monde qui m'entoure. On s'y perd facile, et l'image nous joue des tours. On juge les apparences jusqu'à y perdre la vue. Depuis toujours le singe regarde le doigt quand tu lui montres la lune. Dans ce monde où t'en se trompe et tombe de haut, fond dans l'arme, fond sans trombe, au fond tous des tombes qui dorment debout. Rien que de la peau aux yeux, jouer les prétentieux, rendre les gens vieux, postant leur réussite sur les réseaux sociaux. Je plains ceux qui feignent et daignent les faits. Les faits est tels qu'ils peinent à voir le réel, attiré par leurs pauvres reflets. Refrais sa pique, mais c'est tellement vrai. Ce monde est dingo, les badauds tombent à l'eau, devenus des narcisses modernes. Modérant leurs défauts, c'est fou. On poussait le vice jusqu'à foutre des retouches dans leurs filtres à la con, c'est tout.
On parle plus que l'on ne s'écoute. Et le doute s'installe si depuis trop longtemps ta barbe pousse. Sous les barres, ce monde s'écroulant sous le poids de ses mensonges. Où le bruit de la foule apeurée étouffe souvent le cri du message et mauvais présage. Mais l'essentiel étant que ça passe bien dans l'image superficielle et le monde qui m'entoure. On s'y perd facile et l'image nous joue des tours. On juge les apparences jusqu'à y perdre la vue. Depuis toujours le singe regarde toi quand tu lui montres la lune. Superficielle et le monde qui m'entoure. On s'y perd facile et l'image nous joue des tours. On juge les apparences jusqu'à y perdre la vue. Depuis toujours le singe regarde toi quand tu lui montres la lune. J'ai des érails paranoïaques. Aïe. Stéréotype gros. RBS. Alors on est avec GAB, le rappeur strasbourgeois qui va sortir en octobre son nouvel album Peau Neuve. Salut GAB. Wesh, tranquille et toi? Alors du coup, quelle est la différence plus ou moins avec les anciens projets que ce nouveau projet du coup Peau Neuve? La différence dans la production, etc. La différence avec les anciens projets, c'est qu'il est beaucoup plus ensoleillé, je crois, et que... ouais, il est simple, efficace et plus rigolo que ce que j'ai fait, parce que mon dernier album était très morose. Et voilà, et c'est un album assez court et ouais, qui va droit au but, et voilà, où je me suis amusé quoi, un peu plus que sur l'ancien album où qui avait été écrit dans la douleur, on va dire quoi. Et t'avais l'air de dire que t'étais pas trop auto-satisfait de ton ancien album, donc Love Always, qui est sorti il y a un an à peu près. Pourquoi en fait? C'était une période un peu sombre de ta vie, ou c'est pourquoi t'assumes plus trop cet album aujourd'hui? Alors c'est pas que je l'assume pas, parce que j'assume tout ce que j'ai fait, mais c'est un album que j'ai pas eu envie de défendre plus que ça, parce qu'il correspondait à une période de ma vie qui était super dark. Et que du coup, voilà, sur le moment, quand il est sorti, j'avais plus envie d'y penser en fait, plus que ça. Donc le défendre sur scène et devoir faire de la promo pour cet album, voilà, j'avais pas plus envie que ça, quoi. Ça, c'était douloureux, quoi. Et du coup, le nom de nouvel album Peau Neuve, ça fait un peu écho à ça, c'est-à-dire t'es dans une sorte de renaissance d'une manière générale personnelle et tout, ou c'est Peau Neuve médicalement parlant? Enfin, pourquoi Peau Neuve? La Peau Neuve parce qu'effectivement je l'ai écrit dans un état d'esprit après 2 ans sans avoir écrit une seule ligne. Je l'ai écrit d'un coup dans un état d'esprit où j'ai eu envie d'écrire alors que ça faisait 2 ans que j'avais rien écrit. J'ai eu envie de me marrer, j'ai eu envie de me faire plaisir surtout. J'ai re-eu envie de me faire plaisir dans la musique. Et puis ouais, ça correspond à un moment où j'ai relevé la tête vraiment quoi. Après une période bien autodestructrice. 2 ans sans écrire une seule ligne, donc c'est quand même énorme pour un rappeur et tout. Comment ça se fait que t'as eu pendant 2 ans pas envie d'écrire, ou c'est juste que c'était une question de pas d'envie ou autre? Bah c'est écrit, t'essayes d'écrire, mais c'est à chaque fois c'est plus ça vient pas naturellement, et puis c'est j'avais l'impression d'écrire tout le temps la même chose, de tourner en rond, et du coup il y a un moment t'arrêtes d'écrire parce que à chaque fois que t'écris un truc tu le relis après, tu te dis c'est de la grosse merde, donc pour l'ego c'est pas cool. Pour la confiance en soi, c'est pas cool non plus. Donc ouais, à un moment, je me suis dit, bon, bah, t'arrêtes, et puis le jour où ça reviendra, ça reviendra. Puis si ça revient pas, tant pis, quoi. Ça marche. Et au niveau de l'écriture, du coup, est-ce que toi, t'as des habitudes, des ambiances dans lesquelles tu te mets, ou des états dans lesquels tu te mets, je sais pas, pour écrire? Ou alors ça vient vraiment à n'importe quelle heure de la journée? Ça peut venir à 8h, à 18h. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que t'as un peu une tradition? Ma tradition, moi, c'est que j'écris dans les cafés. J'écris souvent le matin. Contrairement à beaucoup de rappeurs qui écrivent la nuit, ou voilà, la plupart des rappeurs que je connais, ils écrivent la nuit. Moi, j'écris le matin en fait, et j'écris bien entouré, enfin dans un café, à boire un café le matin. Je me pose, je vais à l'ouverture du café, puis je reste jusqu'à midi et j'écris un morceau quoi. C'est mon kiff. Non, donc t'écris pas quand t'es chez toi, pas forcément le soir, mais il faut que tu sois dehors quoi pour écrire en gros quoi. Ouais, il faut plutôt que je sois en dehors de chez moi en général. Ça marche. Et sinon, au niveau des prods du coup de cet album Peau Neuve qui va arriver en octobre, donc j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter en exclu. Donc il y a pas mal de prods aux esprits très différents quoi, enfin un peu de tous les styles. Il y a notamment des prods vraiment genre électro house et tout, un peu à la, ça m'a fait penser à Grems, je sais pas si ça te parle aussi. C'est un peu un peu des prises de risque entre guillemets, parce que c'est quand même difficile de kicker sur ce genre de prods. Pas très classique on va dire, et je voulais voir si c'était au niveau des prods comment tu les as choisis, est-ce que c'était voulu cet effet là ou pas du tout.
C'est bien que tu parles de Grumps parce que je sais qu'on écoute sûrement les mêmes choses un peu avec Grumps. Et moi, c'est des influences que j'ai toujours eues. C'est UK Garage, House, enfin les sons anglais, quoi. Et je sais que Grumps, c'est un des seuls gars en France qui a posé sur des trucs comme ça. Donc voilà, le but n'était pas du tout de faire du Grumps. Parce que je pense que j'écris quand même, même si c'est le même genre d'influence, j'écris... Enfin, j'ai ma façon d'écrire, mon univers à moi. Mais voilà, c'est en fait, j'ai kické sur des sons que j'ai toujours kiffé, quoi. Là, je l'ai vraiment fait pour une fois. Parce que je m'étais toujours cantonné pas mal à du boom bap, à des trucs assez français, quoi. Là, j'ai eu envie de vraiment faire un peu du son à l'anglaise, quoi. Le beatmaker, il est hollandais, donc il a ces influences-là. Tu sens chez les hollandais que. Tu sens que c'est pas un français qui a fait les prods, quoi, a priori. Et donc, c'est ce producteur hollandais qui a fait toutes les prods de l'album? Ouais, c'est Crazy, c'est un mec d'Amsterdam, c'est lui qui a fait tout l'album, ouais. On avait fait un EP ensemble en 2015 qui s'appelle Vivant. Et voilà, c'est lui qui a produit entièrement l'album. Et au niveau de l'enregistrement, où est-ce que t'as enregistré ça, dans un vrai studio entre guillemets, ou home studio, ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? On a enregistré au studio Macaron, à Strasbourg, qui est le studio tenu par le label Def Rock. Donc c'est vraiment un pur studio, avec tout ce qu'il faut, et c'est agréable, du coup. Moi, j'aime bien le côté home studio aussi, mais c'est vrai que quand t'as un vrai studio avec du gros matos, une vraie salle d'enregistrement, c'est super agréable, quoi. C'est sûr, ouais, ça s'entend aussi à l'écoute, quoi. C'est bien mixé, c'est bien, bien propre. On va un peu parler de tes lyrics maintenant, d'une manière générale. Enfin, moi, j'ai remarqué, en tout cas, que tu fais beaucoup l'usage de l'humour, du second degré. Enfin, tu te prends pas trop au sérieux. C'est souvent dans l'humour, dans ta communication aussi un peu. Enfin, elle est pas forcément ultra maîtrisée, ta communication, mais comme tu le disais avant, hors interview, mais je veux dire, tu fais beaucoup de blagues, etc. Genre, par exemple, quand tu reçois les quelques euros de la SACEM de l'année dernière, ça m'avait fait rire, ça, tu vois, les trucs comme ça. Je voulais voir avec toi s'il y avait des humoristes, d'une manière générale, qui sont vraiment des exemples pour toi, ou c'est quelque chose qui t'attire particulièrement, le côté l'humour, le stand-up, des choses comme ça. J'adore l'humour. J'aime l'humour. J'aime rire. Moi j'aime bien. Enfin, je trouve que dans le stand-up français, il y a quand même beaucoup. C'est comme dans le rap français d'ailleurs, c'est quand même assez vide et assez fade souvent. Mais de nos jours, il y a Blanche Gardin. Moi, je suis de cette école-là. Emmanuel Barré, Pierre-Emmanuel Barré, Blanche Gardin, ceux qui sont vraiment grinçants, ceux qui sont bien trash. Et eux, ils m'intéressent. Les autres, là, la plupart. Je sais pas si vous avez vu dans les toilettes publiques, parfois il y a du pipi sur la cuvette. Et puis vous, les Arabes, vous êtes comme ça. Et puis les Portos, ça me fatigue. Mais il y a deux ou trois humoristes qui me font bien kiffer. Ceux qui sont trash en général, ceux qui sortent un peu du lot, quoi. Tu fais aussi un moment référence à Didier Bourdon dans le titre Ma France. J'ai l'impression que s'il y a un peu ce genre d'humour, un peu comme des inconnus, quoi. Donc beaucoup de second degré, d'autodérision. Les inconnus, j'imagine, c'est une référence pour toi aussi. Les inconnus, j'ai grandi avec, vraiment. Donc ouais, les inconnus, c'est les meilleurs. Pour moi, Didier Bourdon, c'est un des plus grands comiques qu'on ait eu, quoi. Ouais, il suffit de regarder sa gueule, il a même pas besoin de parler pour me faire rire, en fait, ce mec-là, quoi. Et donc niveau communication, on en parlait un petit peu avant, comme dit hors interview, t'es pas trop fan des, ou alors t'es peut-être plus fan des réseaux sociaux, t'aimes pas trop les utiliser. Donc tu laisses quelqu'un les utiliser à ta place, donc ton manager. Je voulais voir un peu pourquoi en fait les réseaux sociaux commencent à te gonfler et que t'as pas envie de faire ta propre com. Comment ça se fait? En fait, j'ai trop pris au sérieux ces trucs-là à un moment. J'étais le genre de mec qui donnait ses avis politiques sur Facebook et tout ça. Et en fait, maintenant, je repense à moi à l'époque et j'ai envie de me mettre des tartes dans la gueule. Non, en fait, moi, je trouve qu'il faut pas se prendre au sérieux. Faut pas prendre le truc au sérieux. Maintenant, j'ai pris ma distance avec. C'est-à-dire, je gère mon Instagram parce que je peux faire le con, parce que je peux raconter n'importe quoi et faire des stories stupides. Mais Facebook, puis la promo, moi, ça m'emmerde, quoi. C'est-à-dire, bonjour, venez, j'aime pas m'auto-sucer. Je préfère me m'auto-descendre à la limite. Donc en fait, quand il s'agit de dire à tout le monde venez, je suis génial, venez écouter ma musique parce que c'est de la bombe, je préfère dire c'est de la grosse merde, n'écoutez pas. Enfin, tu vois, ça me fait plus rire. Voilà, j'ai pris mes distances avec le truc parce que je trouve que trop de gens se prennent beaucoup trop au sérieux et moi ça me fait chier. Voilà. Ça peut être une tactique de com qui peut fonctionner aussi. N'allez pas écouter mon album, c'est de la merde et tout. Je l'avais fait pour ma campagne de Kiss Kiss Bang Bang pour mon album Cycle en 2014, 2015, où on avait fait, voilà, le,
le spot de campagne pour financer l'album, c'était je demandais à tous mes potes rappeurs de dire n'allez surtout pas financer l'album de GAB, c'est un connard, il va vous voler votre thune. Ouais, ça me fait plus rire quoi. C'est, je trouve ça plus rigolo dans ce sens-là que de faire toujours la même com que tout le monde quoi. Encenser le projet, dire c'est génial. Moi perso, je suis pas je serai jamais satisfait de ce que je fais. Je suis jamais satisfait de ce que je fais, donc j'ai du mal à dire c'est génial, venez m'écouter, vu que moi-même je pense pas non plus révolutionner le rap à chaque morceau. Tu vois ce que je veux dire? Je m'amuse, je fais mon truc et je pense que j'ai un truc à apporter. Mais j'ai pas la prétention d'être un grand poète, j'ai pas la prétention d'être le meilleur rappeur, tu vois, comme beaucoup de rappeurs le font, même s'ils le pensent pas. C'est comme ça qu'on gère leur promo, c'est venez m'écouter, je suis trop fort, j'ai une grosse tub et puis j'encule tout le monde, tu vois. Moi je prétends pas ça, quoi. Voilà. Ouais, t'es pas, enfin, y a des morceaux un peu ego trip, mais t'es pas vraiment dans ce délire ego trip, ça t'intéresse pas forcément, quoi. Si, en fait, l'ego trip, c'est super marrant à faire, mais je l'avais banni de mon rap à un moment parce que je trouvais que tout le monde faisait que ça, et du coup, moi, j'avais pas envie de faire d'ego trip. J'en ai fait un moment, puis après, j'ai arrêté. Mais c'est rigolo, l'ego trip, parce que tu peux le faire en même temps sans être prétentieux. Tu peux faire de l'ego trip en étant marrant. Le problème, c'est que de nos jours, tu sens que les mecs, quand ils te disent « je suis le meilleur », ils le pensent vraiment, souvent, tu vois. Il y a des mecs, tu sens qu'il y a de l'humour, qui font ça pour rigoler. Mais la plupart, voilà, tout le monde fait de l'ego trip, maintenant, c'est juste... moi, j'ai... Enfin, tu vois, il y a des mecs qui font un album entier en ego trip. C'est fatigant, quand même. C'est-à-dire, 10 tracks à la suite, où le mec, il te raconte qu'il est trop fort, j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment, raconte-moi autre chose. Je dis pas qu'il faut faire du rap conscient, qu'il faut forcément faire du rap engagé, ça, je dis pas. Mais c'est facile l'ego trip, en fait. Tu pars, c'est ultra easy à faire. Moi, je peux te faire un album d'ego trip demain s'il faut. Tu me donnes des prods un peu patates et puis je te fais un album d'ego trip en une journée. Y a pas de souci, quoi. C'est easy, quoi. Les mecs, je trouve qu'ils se foulent pas. Enfin, ça pousse pas à se fouler vraiment et à se réinventer l'ego trip. Et tu disais, ouais, que t'étais un peu perfectionniste, je sais pas si on peut dire ça, du coup, vu que t'es jamais vraiment 100% satisfait d'un son, t'es du genre à aller retoucher des trucs à n'importe quelle heure, enfin, tout le temps, et à tout le temps retoucher les morceaux dans ta tête et tout, ou alors une fois que le produit est fini, t'arrives quand même à dire, ok, c'est bon, maintenant il est sorti du four, on va plus le toucher, ou vraiment ça te démange tout le temps d'aller retoucher des petits trucs, des arrangements, etc. Non, je retouche pratiquement pas. Alors pendant la session studio, si le premier jour j'enregistre un morceau et que dans la semaine qui suit, avant d'avoir fini la session studio, je trouve qu'il y a un truc à retoucher, je retouche, mais à partir du moment où on a figé, on fige. Et puis c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est un instant, les morceaux je les écris, c'est souvent un état d'esprit d'un moment. Même si 2 ans plus tard, en fait, je pense plus du tout pareil, le morceau je l'ai écrit comme ça parce que j'étais comme ça à ce moment-là. Et je trouve que c'est bien aussi de figer les choses parce que la perfection n'existe pas, je trouve. Ça n'existe pas. Tu vois, donc voilà, l'album il est imparfait, tous mes albums sont imparfaits, mais parce que je suis imparfait. Et puis souvent j'écris des morceaux, puis 3 ans plus tard je les réécoute et je me dis, tu vois, limite je me saoule un peu, quoi, mais c'est comme ça. En même temps, j'ai écrit ça à ce moment-là, c'est que j'étais comme ça à ce moment-là, puis ça fait partie de l'évolution. Quand j'aurai 40 piges, si je fais encore du rap, j'écrirai plus du tout la même chose, et puis c'est normal, quoi. Et puis c'est bien, c'est figer l'instant, quoi. Je trouve ça intéressant. Ça marche. Alors on va parler un peu des tracks de l'album, etc. Mais d'abord, on va juste retourner sur un morceau qui est sorti l'été dernier, qui s'appelle Morceau. Donc le morceau Bastion Sauce Blanche, en featuring avec Da Connecta, du coup un rappeur aussi du coin. Donc sorti l'été dernier, et c'est un morceau qu'on peut qualifier de, entre guillemets, engagé, hein, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer un peu le projet de ce morceau, comment c'est venu, etc. Parce qu'il est vraiment très très vénère comme morceau. Il s'écoute bien, il fout un peu la haine, mais il s'écoute très très bien. Et il est clippé d'ailleurs sur YouTube. Je voulais voir avec toi comment est né le projet de ce morceau. Alors c'est un morceau antifa. C'est un morceau pas vraiment aussi engagé, si on peut le dire. C'est un morceau vraiment antifa parce que moi je pense vraiment, je me considère, je suis de gauche, vraiment. Ça devient péjoratif de nos jours de dire qu'on est de gauche, parce que je sais pas, ça fait chier les gens. Moi je suis vraiment d'extrême gauche. J'ai été élevé dans un milieu d'extrême gauche et je suis profondément antiraciste, anti-xénophobe en général, toute forme de misogynie, d'homophobie, tout ça me répugne. Et il y avait le bar L'Arcadia à Strasbourg qui faisait parler de lui souvent, cette espèce de gros connard de faf qu'on croisait en ville avec 2 ou 3 potes. On s'est fait agresser par une quinzaine de mecs il y a quelques mois, enfin un peu plus maintenant, dans la rue, comme ça, gratos. On était rue des Juifs, donc je pense qu'ils étaient un peu tendus, parce qu'ils étaient rue des Juifs, tu vois. Puis ils ont vu une petite bande.
Et voilà, donc en fait, c'est juste, c'était pour cracher à la gueule de ces gros faf, parce que je les déteste. Et que on dit qu'il faut pas parler d'eux parce que ça leur donne de l'importance. Moi, je trouve que c'est des conneries. Moi, j'avais envie de faire un morceau où je leur dis clairement que c'est des grosses merdes. Après, moi, j'ai tourné le truc, c'est-à-dire que plutôt que de dire vous êtes des connards de faf, moi, je me suis mis dans mon couplet dans la peau d'un faf. Sauf que dans le clip, on voit que finalement, je suis torse poil en tutu rose. Et je trouve que c'était la meilleure façon, c'était prendre leur discours antisémite, homophobe, tout ça, raciste. Mais les mettre en tutu rose, je trouvais ça me faisait marrer. Ils ont pas dû kiffer. Enfin, je trouve que c'était la meilleure façon de leur chier à la gueule, quoi. Ok, ouais, bah, en tout cas, le bar l'Arcadia, il me semble qu'il est fermé, interdit aujourd'hui. Donc, ça a quand même fonctionné. En tout cas, ils ont peut-être tombé sur le clip et ils ont eu les boules. Ça a pu faire son effet positif. Du coup, ouais, gros morceau. Allez voir, bien sûr, Bastion Sauce Blanche, clippé sur YouTube. Touche pas à mon pare-brise, voleur de poule. Garde tes mains sales dans tes poches, tiens tes mioches ou j'ai ma pioche. Mes Einsatzgruppen sont de retour à Strasbourg et dans l'Hexagone. Hashtag Oradour, bientôt tu seras plus qu'un hématome. Petit gosso de merde, espèce de tarlouse. Je vais te montrer ce que c'est un vrai bonhomme. Tu vas bouffer de la testostérone, viens pas test ou je te rends des matraques comme à l'autre macaque. Y'a pas de place pour toutes tes putains de sales races à ma table. Je vais pas mâcher mes mots, polisser le discours. J'aurai pas de repos tant que les rues de ma ville sentiront le couscous. T'es bon qu'à nettoyer ma merde de chrétien blanc et sucer les allocs avec ta grosse et tes 10 enfants. T'es toléré, mais en coulisses à préparer la tambouille pour mes enfants. Non, pas de fille, moi je veux des fils. Les pisseux, c'est bon qu'à se faire troncher. Et se plaindre qu'on les respecte pas, la plupart souvent l'ont bien cherché. La vérité est dure à entendre, bah ouais, pauvre conne. Quand il faut porter un truc lourd, d'un coup y'a plus personne. Allez, va militer avec tes potes femmes ou LGBT. Je comprends que tu sois à l'aise avec tous ces PD. Attends, oh putain. Attends, je me sens pas bien là. Ah. Au royaume des fils de pute de nation et roi. À 15 sur un jeune turc, le bastion s'y croit. T'es fort, t'as des grosses burnes, tu terrorises le campus. Mais tu soignes de l'anus, passe à un groupe de renois. Au royaume des fils de pute de nation et roi. À 15 sur un jeune turc, le bastion s'y croit. Je vois pas tes affiches en sup, je crois pas que tu t'auto-censures. Je crois que tu te chies dessus, je parle pas du sport de combat. Y'a deux solutions. Le QHS ou rester QACI, à refaire le monde entre de blancs boulevards des indécis. Vu du dessus, ma ville a des allures de cellules cancéreuses. Elle se propage, prolifère et tout devient noir quand c'est rose. Le vice dans les artères, y'a comme une odeur de bar tabac. J'envoie ce gros molar sur le bastion social et l'Arcadia. Dites-moi donc où sont les artistes engagés pour qu'ils s'investissent, faut que ça les touche comme un direct en plein air ou quoi. Il manque juste un drapeau avec une grande croix. Gars, méfie-toi de cette soupe populaire à l'arrière-coup de 33. Si je perds mon sang-froid, je crois que c'est loin d'être vide de sens. Nourri par la peur, le mal deviendra vite descendre. Frère, le fossé culturel est abyssal. Ils sont sur le Titanic, pensent s'embarquer à bord de la Mistrad. Quoi de plus dangereux que la paresse de l'esprit. Je les renvoie à leurs conditions dans la bassesse de l'estime. Des ratonnades, on ne retiendra que les trois premières lettres. Celles qui représentent au mieux le plus profond de vos êtres. Merde par tes actes, tu pensais honorer l'ancêtre. Mais jamais tu ne changeras marteau, il faut s'y en faire. Au royaume des fils de pute de nation et roi. À 15 sur un jeune turc, le bastion s'y croit. T'es fort, t'as des grosses burnes, tu terrorises le campus. Mais tu soignes de l'anus, passe à un groupe de renois. Au royaume des fils de pute de nation et roi. À 15 sur un jeune turc, le bastion s'y croit. Je vois pas tes affiches en sup, je crois pas que tu t'auto-censures. Je crois que tu te chies dessus, je parle pas du sport de combat. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans le quartier là, il se passe quoi là? Con de nazi qui défile. Ouais, gros con de nazi, c'est un peu là ça. Du coup, ouais, je voulais voir avec toi s'il y avait des clips aussi à venir. Il y a Retiens le nom qui est sorti, le dernier clip avec Bad Dog d'ailleurs, dont on parlera juste après. Est-ce qu'il y a des clips qui sont dans le four, qui ont déjà été filmés? Comment ça se passe à ce niveau-là? On a un ou deux clips qui sont déjà filmés, qui sont au montage, et puis on va en tourner encore d'ici la rentrée. Et voilà, et puis bah écoute, comme ça change pas mal de ce que j'ai fait avant, j'espère que ça plaira aux gens. Parce que j'ai une fanbase qui va sûrement m'attendre sur des morceaux comme Ma France ou du boom bap vraiment engagé, tout ça. Alors que là, c'est
je dis, ça veut pas dire que je raconte de la merde. Je continue à avoir, même dans un morceau un peu con où je parle de chiller au soleil, j'ai toujours une petite phrase un peu engagée à un moment, enfin, où je vais faire passer les idées. Mais voilà, écoute, ouais, on aura à l'arrivée a priori 4-5 clips en tout sur l'album, quoi. Et voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Ça marche, et du coup on va retourner sur Bad Dog, du coup, avec qui tu avais un groupe donc il y a une dizaine d'années, et je voulais voir avec toi tes débuts en fait sur la scène locale du manière générale, comment ça se passait, quels souvenirs tu retiens de cette période là où tu commençais vraiment dans le rap. Bah écoute, moi j'ai commencé à rapper quand j'avais à peu près 15 ans. J'ai rencontré Bad Dog, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, et on a monté un petit groupe ensemble qui s'appelait Insomniac Chronique, où on faisait de la G-Funk, on faisait du rap vraiment délire. Vraiment, on s'est bien amusé. Il y a pas aucune trace de ça d'ailleurs, pratiquement pas. Ouais, non, il y a pas grand chose. Faut tester s'il doit y avoir un clip qui s'appelle Mai 68. Et voilà, écoute, ouais, ça c'était les débuts. Puis après, je me suis mis en solo. Et puis ouais, c'est l'époque où on était un peu les petits de Une Pierre Deux Coups, de groupes comme ça, de Lord 50. On squattait beaucoup avec le crew de DJ le Turntablist. Donc c'était les grands. Et puis et ouais, on a eu ce petit crew avec Bad Dog, ça a duré 2-3 ans, et c'était rigolo. Et voilà, mais très vite j'ai eu envie de me mettre en solo, quoi. T'as fait pas mal de scènes, t'as quand même une grosse expérience niveau concert et tout. Je voudrais avec toi s'il y avait un ou des souvenirs de scènes qui t'ont vraiment marqué, des moments où que tu retiendras toute ta vie, quoi, des grands moments de concert ou pas. Bah ouais, il y en a plein, mais c'est vrai que la première partie d'IAM au Tanzmatten en 2013, ça c'est des trucs qui resteront toujours, parce que voilà, c'est IAM quoi, j'ai écouté ça toute mon enfance. Et puis quand t'as Shuriken qui vient à la fin de ton concert et que tu sais qu'il a fait des pompes et des tractions derrière la scène pour se chauffer pour son concert, et que du coup il a bien écouté les morceaux et qu'il va te sortir des phases de morceaux à toi, ça fait plaisir quoi. C'est une consécration un peu. Et du coup, ouais, niveau géographiquement parlant, t'as vécu un moment à Paris, maintenant t'es installé, vraiment implanté à Strasbourg. J'ai le sentiment quoi, qu'il y a vraiment un attachement particulier à cette ville. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Pourquoi t'aimes autant Strasbourg? Pourquoi t'arrives peut-être pas comme moi à quitter cette ville? D'où ça vient tout ça? Ouais, je suis arrivé à Strasbourg quand j'avais 8 ans. Mais du coup, je suis pas alsacien d'origine, mais je me considère comme strasbourgeois. Et je sais pas, en fait, je kiffe trop cette ville, quoi. C'est une ville magnifique, il y a une qualité de vie, incroyable. Et voilà. Et puis j'ai fait 5 ans à Paname. En fait, je suis originaire de Paname au départ, donc j'ai toute ma famille à Paname, donc j'adore Paris aussi. Mais je veux pas y vivre, quoi. Strasbourg, on est bien, quoi. Après, c'est vrai que c'est plus petit, il y a moins de choses à faire. Mais en même temps, à Paname, il y a aussi trop de choses à faire et puis c'est trop cher. Donc en fait, tu te retrouves très vite à être, en fait, même en habitant dans une ville énorme comme Paname, à pas trop sortir, à rester cloîtré chez toi. Et ouais, non, Strasbourg, moi j'adore. Il y a des espaces verts, il y a tout. T'as la campagne à 20 minutes à vélo, t'as la montagne à 1 heure, t'as l'Allemagne, t'as tout. Moi, je suis strasbourgeois et je le revendique. Et pour l'instant, je vois pas trop où je pourrais me barrer autre parc à Strasbourg, quoi. Ça marche, tu parlais de Dayam juste avant, Shuriken, etc. Je veux voir avec toi la question classique qu'on pose à tous les artistes, c'est les grands noms qui t'ont influencé, alors pas forcément des rappeurs, ça peut être d'autres styles d'artistes, mais des blasts qui t'ont marqué, qui t'ont influencé dans tes textes et le reste, quoi. Il y a IAM, NTM, évidemment, ça c'est mes grands frères qui m'ont fait écouter ça, mais genre, je devais écouter ça, j'avais 4 ans déjà, tu vois. Et le premier album qu'on m'a offert, c'est Paris sous les bombes. Donc voilà. Et puis sinon, moi je suis de l'école du Sayan aussi, grave. Sayan Supa, ça c'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs groupes de rap français de tous les temps. Et puis mes influences après musicales, elles sont super variées, mais niveau rap, ouais, Sayan Supa, quoi. Incroyable. Et je me suis beaucoup inspiré d'Olkin Harry aussi quand j'ai commencé à rapper. Niveau du flow, ce mec-là, il m'a vraiment mis des claques. À l'époque, c'était un des mecs qui avait le plus gros flow. Mais ouais, Sayan Supa, ça reste les meilleurs pour moi. C'est dommage qu'ils soient plus trop là, quoi, maintenant. Et que même limite, les trucs qu'ils ont sortis en solo dernièrement m'ont fait chier souvent. Mais en tout cas, les deux premiers albums sont incroyables, quoi. X Raison et KLR, le premier, quoi. Voilà.
Cyan Supacru. Et aujourd'hui, là, en 2019, je voulais voir si tu, j'imagine que tu écoutes du rap actuel qui sort et tout, du rap récent. Et je voulais voir dans le, dans les rappeurs de nouvelle génération, donc on va dire les, allez, les moins de 23 ans, quoi, les petits jeunes, tout ce qui est, je sais pas, les Cobaladés, par exemple, ou les trucs comme ça. Est-ce que toi, t'as, il y a des jeunes rappeurs, qui te font kiffer, ou pas, d'ailleurs, enfin, sur la scène actuelle, qu'est-ce qu'elle regarde, t'as, sur les petits nouveaux, quoi? J'écoute pas. Non, j'écoute très peu parce qu'il y a pas grand chose qui me touche en fait. Tout simplement. Cobaladé, pas possible. Juste absolument, non, c'est impossible. C'est juste pas possible. Hein. Je connais, j'ai pas vraiment écouté, puis j'entendais tout le monde en parler, puis du coup je suis allé voir, c'est juste pas possible en fait. Moi. Mais non, puis c'est ce qu'il raconte, c'est juste. Enfin après, il raconte son vécu de mec de Tess, qui effectivement, moi au départ, va pas me toucher. Parce que je suis pas du tout de ce milieu-là, tu vois. Mais bon, après, on peut écouter des mecs qui sont pas de son milieu, c'est pas le problème. Mais c'est juste, moi, en fait, ce qu'ils me racontent, je m'en fous. Et puis ça me déprime, même limite. Tu vois, les mecs qui me parlent de Bicrave en bas du blog, bah oui, c'est. Enfin, moi ça me déprime, en fait. Ce que racontent ces mecs-là, parler de flingue, de pute, de Bicrave, de. Pff, ça me dépasse. Mais sinon, dans les nouvelles générations, je t'avoue que je me tiens pas vraiment au courant. Chez les Ricains, en fait musicalement tous ces trucs là, bon Cobaladé là on parle, moi je trouve ça dégueulasse, mais même des PNL, quand ils ont sorti leur premier album, je trouvais ça musicalement incroyable, tu vois, ils ont ramené un vrai truc. Après c'est pareil, c'est la même chose, c'est à dire que j'arrive pas à me mettre complètement le cerveau off, j'ai toujours, vu que c'est dans ma langue et que je comprends ce qu'ils disent, je peux pas écouter ça juste en musique de fond, juste pour la musicalité, même si je trouve ça lourd, parce qu'il y a un moment où je vais quand même entendre ce qu'ils disent et où ça me dépasse complet, quoi, et que je trouve ça horrible. Et qui sont dans un discours anarcho-capitaliste qui, moi, me va pas du tout par rapport au monde dans lequel on vit, tu vois. C'est un discours individualiste, c'est un discours de, comment, nombriliste, où il faut réussir, faut faire du billet, faut tout ça, et moi, en fait, ça m'intéresse pas, quoi, tu vois. Ça m'intéresse pas, du tout. Après, juste le flow, Bah, musicalement, je trouve que le rap français est parti dans un, c'est super bien, quoi, musicalement. Il y a des mecs, si j'écoute que le son, je trouve ça super bien fait, mais voilà, j'arrive quand même pas encore à ne pas écouter les paroles et à poser complètement mon cerveau, quoi, tu vois. Et c'est la même chose chez les Quinri, hein, parce que j'adore Young Thug par exemple, musicalement je trouve ça incroyable, mais c'est quand même un abruti fini, ce mec là tu vois. C'est quand même un mec qui parle que de flingues, de billets, qui est, c'est fatigant, ils sont fatigants ces mecs là enfin pour moi ils ont une vie de merde, moi je me ferais chier à leur place, quoi, tu vois. Enfin voilà, ils ont plein de pognon, donc ça fait rêver, tu vois. Moi ça me fait pas rêver du tout ces mecs là Ils ont le cerveau fondu, quoi. C'est un peu vide à l'intérieur, quoi. Et moi, c'est voilà. Moi, j'ai besoin de mecs qui me tirent vers le haut. Et ces mecs-là, intellectuellement, tirent vers le bas, j'ai l'impression. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Après, c'est encore un discours de gaucho à la con, là, mais. Et y a un feat, du coup, sur le nouvel album, là, qui arrive en octobre, Peau Neuve. C'est avec Gavin Maidou. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, le blaze. Gavin Maidou, il me semble qu'il vient un peu du coin aussi, Alsace, entre guillemets, en ce moment, en tout cas. Grand Est. Et ouais, peut expliquer un peu cette collab, comment elle se fait. Je crois qu'il me semble que c'est la seule collab avec un autre rappeur sur l'album. Comment ça s'est fait? Pourquoi lui? Voilà. Gavin, c'est un mec de Reims, mais qui habite à Strasbourg depuis 3 ans. Et puis c'est un super pote, on bosse ensemble aussi. En dehors de la musique, on travaille dans la même boîte, on se connaît bien. Et puis bah je sais pas, c'est une prod, je l'ai écouté, c'est une grosse prod grime bien vénère. J'ai directement pensé à lui dessus, sa voix, puis c'est un morceau stupide où on parle, qui s'appelle Énorme, et où on parle de la taille de nos tubs. T'as vu, je dis que j'aime pas les mecs qui parlent de la taille de leur tub, mais je fais un morceau qui parle que de ça, mais c'est justement pour rigoler. Et voilà, bah ouais, c'est un morceau que ouais, moi il me fait bien rire, ce morceau. Puis il a une ouais, il est fort, Gavin, il a une bonne voix bien grave. Et voilà, donc c'est le seul feat de l'album, effectivement. Moi, je fais rarement des feats sur mon album d'avant, il y avait aussi qu'un seul feat. Parce que j'ai du mal souvent à ramener les gens dans mon univers, tu vois. Je sais pas sur quel sujet je pourrais les amener à, tu vois, à raconter les trucs avec moi. Mais donc voilà, là, on a fait ça, c'était super rapide et c'était rigolo, quoi. Ouais, le morceau, il est plein d'énergie et tout, il donne la patate, c'est du turn-up, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que, hors ce projet, il y a des featurings qui arrivent, d'autres projets autres que Peau Neuve, ou tu t'es concentré que sur cet album-là ces derniers temps? Ben moi, comme d'hab, à chaque fois que je sors un projet, ça fait déjà longtemps que je suis passé à autre chose dans ma tête. C'est-à-dire là, je vais sortir Peau Neuve, mais ça fait un an et demi que je l'ai écrit.
Et du coup, je suis déjà dans, j'ai déjà écrit d'autres trucs, des morceaux pour la suite. Et puis on a un projet qui s'appelle le cinquième corner là en ce moment avec Gavin Meidou justement, avec Da Connecta et avec Unam, un rappeur, un Breton, enfin un mec du cinquième du cinq majeur au départ, qui habite à Strasbourg depuis quelques temps aussi. Et on a ce petit projet de collectif là qu'on est en train de taffer en ce moment. Sans prise de tête, vraiment, ça, on, c'est vraiment c'était l'envie de délirer vu qu'on est tous potes. On se retrouve tous les dimanches et à chaque fois on essaye d'avoir des trucs à enregistrer, des nouveaux morceaux. Et donc ça, voilà, on se presse pas, mais on va essayer dans l'année au début 2020, je pense, on va essayer de faire en sorte d'avoir des clips et d'avoir, ce projet cinquième corner en collectif, quoi. Voilà, en mode, ça kick, quoi. Ça kick comme on aime à l'ancienne sur des prods un peu boom bap, un peu trappy, hein, un peu de tout. Et voilà quoi, donc il y a ça, je me consacre pas mal à ça en ce moment. Ça marche, alors à l'heure où on enregistre l'interview, on est un lundi matin début mai 2019, et donc l'album Peau Neuve il sort en octobre, est-ce que t'as une idée de la date précise, peut-être en octobre déjà, quand il sera disponible? Aucune idée. Ok, ça marche, c'est précis, en tout cas octobre 2019, le rendez-vous, donc Peau Neuve, nouvel album. Est-ce que t'as des big ups, des remerciements à faire, d'une manière générale, il y a Phil, ton manager peut-être, ou d'autres, je sais pas. Bah ouais, je remercie Phil évidemment, parce qu'il se bouge bien le cul pour moi en ce moment, je remercie la Coda, qui est le label qui produit l'album, et puis je remercie Crazy qui m'a fait toutes ces prods incroyables sur l'album, qui a perdu son ordi il y a pas longtemps là, et avec 75% de son taf, il a bien le mort, le pauvre. Mais le connaissant, ça va juste le rebooster pour s'acheter un nouvel ordi et refaire des prods de ouf. Mais voilà, ouais, big up à ces gens-là, big up à tous les gens qui ont participé un peu à l'album, à Gavin, voilà. Ça marche, bah merci JAB, rendez-vous octobre 2019 et peut-être avant pour des clips du coup du projet. Ouais, il y aura des clips sur internet d'ici là. Voilà, merci beaucoup. J'ai retrouvé mon mojo. Yo. 10 ans de rap dans les guibolles. Ramène ta face que je t'immole. J'ai même pas 30 piges mais je fais déjà partie des anciens de ma ville, je suis un people. J'ai posé mes couilles sur la table tranquillement et j'ai gravé mon place dans ce hip-hop. Y'en a qui m'aiment pas car je suis pas assez street. Je leur envoie des gros bisous, leur délice est petite. J'ai écrasé ta clique, à coup de rap de bap tout fragile. Gap, pousse-toi de la Hartung, j'arrive. J'gratte trop de face dans le Strasbourg Paris. J'ai craché mes 16 de l'Alsace à Ménilmontant. Y'a des échecs mais au final man j'suis content. T'inquiète pas mec, on est encore là pour longtemps. C'est moi et les 10K dans ma tête. Fais gaffe ma boule, j'ai retrouvé mon mojo. De ce que les gens pensent, même pas l'unanimité parmi mes potes. Pas assez ci, pas assez ça. Fuck ton avis, j'en ai rien à réca. Désolé si c'est pas ce que t'attends de moi, y'aura pas de ma France 2. Désolé gars, carpe diem en mode carpe hier, ça man c'était hier. Désolé frère, j'rappe pas l'émotion, c'est comme as. J'écoute pas les cons, j'ai pas le time. T'as l'air malin, tu parles bien, mais tu t'aimes beaucoup trop, c'est dommage. Filme de boule quand je prends le mic, oui, moi je pisse debout. Qu'à t'enferme la viande, la soupe, pesez mes couilles, je vous baiserai tous. Évidemment que je suis beaucoup plus fort que toi. Moi je veux rêver, je veux m'élever. Next level, il faudrait faire des lovés, délivrer des lives et envoyer du love. Quand Louz et Louve sourit, c'est de l'or. Le smile est de l'or, que la salle se laisse aller. Pousse le son dans le salon, vise le soleil, remise la polaire. CGAP, oui, le blast, tu le connais. Fais gaffe, ma poule, j'ai retrouvé mon mojo. C'est Gap pour les intimes, GAB pour les autres. Ah bah merde, non t'as pas dit. Tu te retournes dans le zoo, man. Retiens bien le nom, retiens bien le nom. Retiens bien le nom. C'est
C'est Gab pour les intimes, j'ai AB pour les autres. Ah bah merde, on t'a pas dit. J'suis de retour dans le zoo, man. Retiens bien le nom, retiens bien le nom. Retiens bien le, retiens bien le, retiens bien le nom. En fait quand j'y pense bien, t'embrasser est un suicide. Parce qu'en tirant sur ton joint, je tirerai sur mes principes. Tu mets tout le monde sur le cul, tout le monde à genoux. Quand ils te tiennent en main, mes gars ne tiennent plus debout. Tu les as rendus faibles, tu les as rendus fous. Je leur ai dit que tu les douilles, le pochon est dans le caleçon. Donc tout le monde s'en bat les couilles. C'était juste un coup, puis deux, puis trois, puis trop. Ils t'ont déjà dans la peau. Un moment faut dire stop, tu les rends tous accros, Marie-Jo. Ils sont prêts à mettre le prix pour te toucher. Comme d'hab, vous faites des folies toute la noche. C'est toujours toi qui finis par les coucher. T'as pas besoin de feuilles, toi, pour les rouler. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Anna, nana. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Anna, nana. Oh Marie-Jo, Anna, je tomberai pas dans tes bras. Oh Marie-Johanna, oh Marie-Johanna, nana. Tous mes potes sont sur toi, mais moi tu m'auras pas. Oh Marie-Johanna, oh Marie-Johanna. Tu me feras pas de bisous sur la bouche. Si je te touche, c'est moi qui coule. Mais j'avoue que t'as l'air cool. J'ai envie de toi, mais je me souviens. Tu veux mon blé, pas mon bien. En fait, t'es comme toutes ces joints. Demain j'arrête, c'est ce que mes gars répètent. Leurs espoirs sont en miettes, à chaque fois qu'ils t'effritent. Ils t'ont tous dans la tête, tu les as rendus bêtes. Mais toi t'es pas la bête, t'es juste une petite bitch. Oh Marie-Jo, tu fais des shows. Oh Marie-Jo, juste une dose. Oh Marie-Jo, c'est toi la cause. Qui tombe dans tes bras en vrai finira dans la fosse. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Anna, nana. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Oh Marie-Jo, Anna Marie-Jo. Anna, nana. Oh Marie-Jo, Anna, je tomberai pas dans tes bras. Oh Marie-Johanna, oh Marie-Johanna, nana. Tous mes potes sont sur toi, mais moi tu m'auras pas. Oh Marie-Johanna, oh Marie-Johanna. Oh Marie-Jo, Marie-Johanna. Oh Marie-Jo, Marie-Johanna. Oh Marie-Jo, Marie-Johanna. Oh Marie-Jo, Marie-Johanna. Je ne te parle pas de contrat Gulliver. Laser, couleur, logo Gulliver. Pas le plus discret, mon ange gardien parti chercher des clopes sur Jupiter. Il a le cul qui gèle, je crois. 4 pélos dans la caisse, fume des battes, ça s'échauffe. Dans la cuisine, fais des pastas pesto. Allez se coucher, faire un cunis de merde. Le jour, je suis John Wick et je vise les têtes. Je rentre dans la base et je dévise les lettres. Nique le contrat et ceux qui écrivent les termes. Les con queens dès lors que j'épaissis les traits. Ça fait headshot bien loin. Vivre une époque où le bédo maintient. J'ai beau avoir la meuf du mérovingien. J'quête le twerk de Chaillant 025. Stop, triplé, poc, iné. Prends l'app dans la cabine. Tapage nocturne à la reste. Mets une bastos dans la voisine. Tu connais la carrosserie, pas le rouage. J'connais des polonais qui parlent nouache. On ferme les yeux sur tes pires peurs et malaises. Comme Stevie Wonder qui te fait un tatouage. J'bois d'énormes pintes à la santé de ce pouvoir qui gaise. Certainement pas à ceux qui font les suceurs féministes. Simplement pour pouvoir les ken. On les envoie dans le couloir céleste. Le monde est beau même si pour toi c'est laid. Poison pour elle quand je fourvoie les lèvres. Rester pendu à ses mots comme goutte à ses lèvres. Calibre sous les vestes en cuir. Sol jour j'ai douillé de P38. Shoot les têtes des mecs en fuite. Calibre sous les vestes en cuir. Sol jour j'ai douillé de P38. Shoot les shoot les shoot les
têtes des mecs en fuite. Calibre sous les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de paix en tuile. Shoot les têtes des mecs en fuite. Calibre sous les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de paix en tuile. Shoot les têtes des mecs en fuite. Silencieuse et recouverte de noir comme l'armée des ombres. Dans des corps comme caméléon, là pour te faire cracher des noms, alors allez réponds. On est prêt à se tâcher les pompes, pour le cacher les nombres, on a l'art et les plombs. Le schlass, le spas, mon style est très sombre comme ce sacré Léon. Babababababel. Tant de bandits vident leur telle, quand j'anticipe leur d'elle. Dans l'ennui je vise leur tête, Tom Clancy, Splinter Cell. Tandis qu'ils se perdent, dans le combat je m'accomplis. Sans mon compas je m'assombris, on les canapes ont pris. Trouve le repos que lorsque le contrat s'accomplit. On la crame ta combine. Question zéro, négro. Pour la mission, une grande ferveur m'anime. Dans le réseau, même les meilleurs savent. Ouais. S'approche dans ton dos comme Slenderman. Accordant mon flow au seigneur noir, c'est affolant, mon ron veille le soir. Parmi les players, je crois ces types convaincus d'avoir fait le meilleur choix. Tipeurs voix, dans tes yeux humides, on stoppe les jeux stupides. T'es sur les lieux du crime, la tension qui t'émeut, tu cries. Je n'ai besoin que quelques rubis pour charger le cul. J'ai raté une cible, là le frat est surgi. Attaque à la trachée, c'est l'armée du 6. Le 7, c'est pas Jésus Christ. On s'est évadé du crime bien avant que les stars les lucident. Calibre sous les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de P38. Shoot les têtes des mecs en fuite. Calibre sous les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de P38. Shoot les têtes des mecs en fuite. Calibre sous les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de P38. Shoot les têtes des mecs en fuite. Calibre sous les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de P38. Shoot les têtes des mecs en fuite. 007, j'arrive avec classe. Pour défroquer vos mères qui tapinent, tapent des traces. Encore une épopée obscène, battre mon PPK sur vos onérogènes. Après mon passage, faudra restaurer vos schnecks. Ride en Aston Martin avec des vitres à l'épreuve des balles. Dès que je m'égare dans la boisson, je dégueule des phases. Je ne fais que m'esquinter, j'kiffe quand j'ai le cerveau désingué. Patate en ton casque à la détinger, tu vois des étoiles et des étincelles. Je fais monter la température, t'as 40 de fièvre. Que peux-tu faire face à mes agents secrets? Ta mort au programme dans mon agenda. J'suis l'agent J et j'suis l'agent K. J'suis l'agent JKDR. Mon crew niquera des mères. J'tire sur eux comme sur mon cigare ou une chicha de berbère. Je me mets à l'envers mais ne crois pas que je piaffe des terres. Depuis que j'ai grimpé ta tente, je réfléchis à l'Everest. Depuis que Macron est président, je trouve que Chirac est vrai. Votez pour lui. Calibre sous les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de P38. Shoot les têtes des mecs en fuite. Calibre sous les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de P38. Shoot les têtes des mecs en fuite. Les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de P38. Shoot les têtes des mecs en fuite. Calibre sous les vestes en cuir, seul jour j'ai douillé de P38. Shoot les têtes des mecs en fuite. RBS. RBS. Avec Jackie et Benji, merci les gars d'être là avec nous. Alors on vous connaît un petit peu, vous étiez déjà à la radio il y a deux ans pour l'âge d'or du rap. Moi, je vous ai vu sur scène il y a deux ans. Ce soir, vous n'êtes pas avec un DJ, vous êtes avec tout un band sur scène. Exactement, c'est dans le cadre de la tournée Classic Redeem Tour. Et faut savoir que Negmaron, on a deux types de formations. La formation effectivement DJ comme tu as pu nous voir, et la formation avec les musiciens. Et quand on fait ce genre de festival, quand on joue plus d'une heure et demie, on aime bien venir avec la grosse artillerie, à savoir le bassiste, le guitariste, le batteur, le clavier. Et voilà, on aime proposer un show différent au public. C'est quoi le vrai plus d'avoir un band par rapport à un DJ? En fait, qui ramène des scratchs et d'autres choses. Avec les musiciens, ça nous permet de faire d'autres arrangements. En fait, tout simplement sur les sons, de pouvoir allonger les morceaux plus facilement, de pouvoir structurer la musique différemment en fait. Et puis c'est une autre énergie aussi quand t'as 4-5 musiciens qui sont en train de jouer derrière, et quand t'as un DJ, c'est pas du tout la même énergie qu'on transmet au public. Après, c'est clair que dans tous les cas, nous on est là pour mouiller le maillot et puis voilà, faire nos classiques et transmettre quelque chose dans tous les cas. Et puis on est à l'aise dans tous les cas sur les deux formations, quoi, quel que soit
quel que soit le back, le backing, DJ ou musicien, on est à l'aise. Alors votre rap, c'est un, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est plutôt un mélange de rap et de reggae. Il y a beaucoup de reggae dans ce que vous faites. Et je voulais voir avec vous, en fait, depuis quelques années, il y a le retour de la mode des instrus reggaeton, avec notamment Jul, etc. Et je voulais voir votre avis par rapport à ça, si ça vous plaît, ou pas forcément Jul, mais en tout cas les instrus reggaeton, est-ce que c'est un truc qui vous fait kiffer ou pas ? Il faut rectifier un peu le tir quand même, parce que ce que Jul fait, ça n'a rien de reggaeton du tout. L'instru, en tout cas, est style reggaeton, quoi. Je dirais que bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est un style Jul, quoi. Ouais, en fait, ouais. il a créé son propre style et ouais, c'est vrai qu'on peut pas qualifier ça de reggaeton parce que si les latinos nous entendent dire ça, ils vont nous scalper. mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que les rythmiques reggae et dancehall sont pas mal reprises par des artistes ouais. aussi bien latinos que les artistes pop. Aujourd'hui, c'est tendance, alors qu'en réalité, c'est même très old school. C'est des rythmiques qui ont vraiment cartonné dans les années 90. Ouais. Et aujourd'hui, on voit que c'est remis au goût du jour. Donc, ça fait plaisir. Après, ce qu'on aimerait, c'est que les originaux soient un peu plus diffusés aussi. Parce que c'est bien de diffuser tous les artistes américains, les artistes pop qui reprennent ces rythmiques-là. Mais ce serait bien de diffuser aussi tous les Jamaïcains qui sont à la base de ça, qui ont créé ces rythmiques. Parce qu'ils ont aussi des très, très bons morceaux. Et voilà, c'est la base même, c'est la source, quoi. Ça marche. Et sinon, niveau lyrics, dans vos musiques, j'ai remarqué que généralement, c'est plutôt positif comme message. C'est plutôt un message d'espoir. Enfin, il y a du positivisme. Par rapport à vos débuts, c'était un peu plus dark, j'ai l'impression. Et un peu plus hardcore, on va dire. Est-ce que vous avez gagné en vous êtes plus serein aujourd'hui avec la maturité, ou c'est juste votre façon d'écrire qui a changé, ou votre façon de voir les choses ou... L'esprit positif, il nous a toujours suivis depuis le départ, depuis le début de notre carrière. Justement, on n'a jamais voulu se lamenter sur notre sort. On vient de loin, on vient de la banlieue parisienne, on a grandi à Gare Charcel, voilà, une banlieue dans le 95. Et dès notre premier album, on chantait des morceaux tels que « Lève-toi, bats-toi ». Et parce qu'on on s'est toujours battu contre tous les préjugés, contre tous les stéréotypes. Et ça, la positivité, c'est quelque chose qui nous suit depuis le départ. En fait, ça, on a jamais eu un discours négatif parce que c'est pas le message qu'on veut véhiculer. Et on est conscient qu'effectivement ça peut être dur quand tu viens des quartiers, quand tu viens de la banlieue, mais justement nous, on a toujours eu cette force d'aller au-delà des obstacles et des embûches. Et c'est ce qui fait que 20 ans, 25 ans après, on en est encore là, et avec la banane et avec le sourire, avec la gouache et l'intensité. Ouais, vous n'êtes pas fataliste, quoi. C'est-à-dire que vous pensez qu'on peut tous s'en sortir si on se donne les moyens de s'en en sortir. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de tirer les frères vers le haut, de tirer la jeunesse vers le haut. Donc voilà, comme l'a dit Jackie, on sait que c'est compliqué. Ouais. Maintenant, une fois qu'on a posé le doigt sur le problème, il faut essayer de poser le doigt sur quelques éventuelles solutions. Et même si on n'a pas les solutions, au moins donner de l'espoir qu'on peut s'en sortir. Okay. Et pour compléter un peu ta question, on ne s'est pas du tout ramolli. Si tu écoutes le dernier album, Valeurs Sûres, tu verras qu'il y a des morceaux comme « J'arrive comme je suis », qui sont très engagés. Tu as des morceaux comme Président qui sont très engagés. Tu as des morceaux comme Le Monde Bouge qui sont aussi très conscients. Et en fait, on arrive toujours à alterner et les morceaux festifs, les morceaux assez légers et les morceaux engagés, parce que ça restera dans l'ADN de Ned Marron. Comment aujourd'hui vous expliquez un petit peu cet engouement toujours pour les années 90, les années 2000? Je parlais tout à l'heure de la tournée L'Âge d'Or du Rap qui a cartonné. Est-ce que c'est le public aujourd'hui est saoulé, ne trouve pas son compte dans les musiques qui sortent aujourd'hui? Bon, on parlait de l'artiste Jul, qu'on joue pas nous personnellement, ou c'est, ils sont en manque de cette sonorité, il leur manque quelque chose? On va dire, il y a tout simplement, oui, la nostalgie. C'est quelque chose, aujourd'hui les gens ont grandi avec une musique, une certaine époque, et quelques années après, 15 ans, 20 ans après, les gens ont envie de se remémorer certains moments de leur vie. Et au-delà de la nostalgie, comme on aime le dire, la musique c'est dur, la musique est bonne et la bonne musique dure. Et je pense que les gens de notre génération, on est un petit peu comme du bon vin. Plus le temps passe et plus la musique devient encore meilleur, et c'est ce qui fait que les gens ont encore envie de l'écouter. C'est ce qui fait que des groupes comme Ned Marron, comme nous aujourd'hui, on se retrouve à faire des tournées, on continue à faire des tournées, des festivals blindés, etc. Parce que y a quelque chose de pur et de réel qui est encore présent. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que
c'est que justement la musique urbaine dispose d'un éventail assez large. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement tu as toute cette nouvelle scène et puis tu as aussi les anciens. Et après chacun peut faire son choix là-dedans, c'est ça qui est intéressant. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle vague qu'il faudrait que tout ce qui s'est passé avant s'arrête, ou qu'on efface tout ça, ou que ça n'existe plus. Non, au contraire, il y a un choix plus large. Ceux qui veulent voir la nouvelle scène vont voir la nouvelle scène, et puis ceux qui veulent aller voir les anciens vont voir les anciens. Et puis tu as des gens qui se sentent à l'aise aussi dans les deux. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui est là top. C'est toi qui utilisais le mot ancien. Non mais faut assumer. Oui, mais ancien, en fait on... pas vieux. Ancien, oui. C'est pas vieux. C'est j'ai pas dit vieux. En fait on est des anciens et clairement on assume notre statut d'ancien parce que au-delà d'être des anciens, on est des grands frères de la musique aussi, parce que pour toute cette nouvelle génération qui est là, qui aujourd'hui est en place, il y en a beaucoup qu'on a énormément inspiré. Et ça on le sait, aujourd'hui il y a des gens qui sont dans le haut du tableau, qui font partie des plus grands vendeurs de la musique en France, et ce sont des gens qui ont grandi avec nous, des gens qu'on a inspirés. Donc on assume ce rôle d'ancien, ce rôle de grand frère. Vous avez quelle génération de public aujourd'hui? En réalité c'est difficile à définir. Je pense qu'effectivement il y a un socle des gens qui ont peut-être la trentaine, ou mais on voit à nos concerts qu'il y a aussi beaucoup de jeunes, hein. Ça, à partir de 18, 25, ils sont présents. Et même aujourd'hui avec la technologie sur les réseaux sociaux, on a la possibilité d'avoir des statistiques. Et on voit que les 18-25 nous suivent aussi beaucoup. Donc finalement c'est intergénérationnel la musique. En fait parmi notre public on a eu des parents formidables qui ont éduqué leurs enfants avec de la bonne musique. Et c'est ce qui fait que, comme disait Benji, on se retrouve avec beaucoup de jeunes dans nos concerts parce que ces jeunes-là, étant plus petits, ont écouté du Neg Marron via leurs parents, et ils leur ont transmis cette good vibes. Et aujourd'hui, ben, ce qu'ils ont écouté étant plus petits, ils viennent le voir sur scène avec leurs parents. Donc c'est vrai qu'on touche un peu les jeunes et les plus âgés. Tu parlais des réseaux sociaux, pour communiquer c'était peut-être plus facile. Vous avez quelle relation vous avec les réseaux sociaux? Instagram, Snapchat peut-être? J'ai pas regardé si vous aviez un Snapchat, mais... Je vais laisser Jackie qui est un peu plus expérimenté. Ben, en fait c'est vrai que tous ces outils c'est quelque chose avec lequel on a eu du mal un petit peu à se familiariser, et puis petit à petit on est rentré dedans, et puis maintenant on commence à y prendre goût. Moi j'aime bien le réseau Instagram. Au départ j'étais sur Snap, mais ça m'a gavé un moment. Facebook, tu vois, c'est bien, mais je trouve aussi que c'est un petit peu à l'ancienne. On parlait d'anciens, ben voilà. Et par contre Instagram, ouais, c'est un réseau que j'aime bien et que j'utilise beaucoup. Après je l'utilise plus à titre professionnel, mais c'est un réseau que j'aime bien. J'allais y venir justement, Jackie a utilisé le mot professionnel. C'est vrai que moi j'ai un rapport avec les réseaux sociaux qui est plutôt pour le fun. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens utilisent ça comme un vrai outil de travail. Et de toute façon, nous-mêmes, on va y venir. En tout cas, concernant Neg Marron, c'est vrai qu'on utilise vraiment la page pour faire passer un peu l'actualité et pour transmettre des informations. Après, à titre perso, c'est un peu plus fun. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment un moyen d'être en contact avec son public. Et plus le temps passe, et plus on se familiarise avec tous ces outils, comme disait Jackie. Et puis on a plus le choix, en fait. Clairement, on a plus le choix. Celui qui fait un déni aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est qu'il n'a rien à vendre. Tu ne peux pas avoir une activité commerciale aujourd'hui et pas être présent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Alors toi, Jackie, particulièrement, tu es beaucoup en contact avec la nouvelle génération, avec l'émission Couvre-feu. Donc toi aussi, vous êtes... Mais encore plus Jackie, je pense. Enfin, je sais pas, il en voit plus en tout cas toutes les semaines, etc. Et je voulais voir, dans la nouvelle génération, on a vu beaucoup passer faire des freestyles dans ton émission, donc Couvre-feu sur le KLM. Et je voulais voir s'il y avait des blazes, toi, de petits jeunes qui vraiment te font vibrer. Et tu te dis vraiment, ça, c'est la relève assurée, quoi. Franchement, il y a de ça un an, deux ans... J'aurais pu te citer un ou deux blazes ou trois blazes, mais aujourd'hui concrètement j'en vois beaucoup passer et j'en vois énormément qui déchirent. Je pense qu'aujourd'hui en ce qui concerne les jeunes talents, il y en a beaucoup qui ont énormément de travail à faire encore, à fournir,
parce qu'en plus moi je les vois en direct, en live, donc même en termes de freestyle, des fois j'en vois bégayer, j'en vois patiner, mais il y en a d'autres qui sont vraiment opérationnels et te citer des noms, je pourrais t'en citer plusieurs. Je peux te citer, bon, aujourd'hui ça fait partie des confirmés, mais il y a quelques années, tu vois, un rappeur comme Nino, on l'a vu monter, on l'a vu venir, et on savait que ça allait être un talent très prometteur. Et des comme ça, aujourd'hui, franchement, il y en a quelques-uns. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération s'est réellement trouvée. Donc il y en a plus de bons rappeurs qu'il y a 20 ans, tu penses, par exemple, de bons MC? C'est pas qu'il y a plus de bons rappeurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs, énormément de rappeurs, parce que, on va dire que, j'ai envie de te dire, tout le monde et n'importe qui aussi se met à rapper. Alors qu'à notre époque, c'était vraiment quelque chose de différent. Quand tu commençais à prendre le micro, c'est que tu avais quelque chose à dire. C'est aussi qu'il fallait avoir ton propre style, ta propre couleur. Fallait chercher à te démarquer. Et aujourd'hui, le petit bémol que je pourrais mettre, c'est que beaucoup se ressemblent. Ça manque un petit peu d'originalité. Quand il va y avoir une tendance qui fonctionne, tout le monde va s'engouffrer dans cette tendance. C'est un peu ce que je pourrais déplorer par rapport à la nouvelle génération. Par rapport à nous, en tout cas. J'aimerais compléter aussi un peu ce qu'a dit mon partenaire, dans le sens où la différence aussi avec l'époque, c'est que à partir du moment où tu n'intéressais pas un label ou une maison de disques, c'était compliqué de sortir ou d'exister. Fallait vraiment avoir une structure, les moyens, ne serait-ce que pour faire des maxi, des vinyles ou apparaître sur des mixtapes. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'exposer sa musique, tous les rappeurs. Donc finalement, ça donne la chance à tout le monde. Et à l'époque, je pense qu'il y avait peut-être autant de rappeurs dans les quartiers et partout, sauf que c'était plus difficile d'être présent et d'exposer son travail. Donc aujourd'hui, la nouvelle génération a aussi cet avantage. Alors, toute la manière de consommer la musique a vraiment changé. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'est plus dans l'écoute, on est dans le visuel. Donc en fait, voilà, c'est ce qui fait que les gens vont préférer sortir un morceau clippé que de sortir juste l'audio. Parce que c'est l'époque d'aujourd'hui qui veut ça, c'est le format d'aujourd'hui qui veut ça. On va parler aussi de l'émission de radio. Vos débuts, c'était sur Sky, maintenant sur OKLM. Est-ce que tu as plus de liberté? La différence un petit peu entre ces deux médias, finalement, le travail est totalement différent. Tu as une totale liberté, vous avez une totale liberté, ou comment ça se passe? Concernant couvre-feu, on a toujours une totale liberté, que ce soit sur Skyrock, on a jamais eu aucune censure. Et pareil sur Au Calme, en fait, le principe reste le même. Et personne ne nous censure. Nous, on ne se censure pas, et personne ne nous censure. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je voudrais profiter pour saluer aussi le travail d'un Booba. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avoir un média urbain, c'est une victoire. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, et qu'il y a d'autres rappeurs qui vont prendre des initiatives comme ça, qui vont assurer la relève dans ce sens. Il faut qu'on ait nos propres médias, c'est très important. C'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques à l'égard de Skyrock, mais Skyrock, il a son tuyau, il fait ses choix. Et si nous, on n'est pas d'accord avec ses choix, il faut qu'on crée nos propres tuyaux. Et dans ce sens, je voudrais saluer un Booba qui aujourd'hui a plusieurs médias, la radio, la télé, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus comme ça. Et juste le t'entends pas ou quoi, c'est un truc qui t'est venu tout seul, ou c'est un gimmick qui t'est venu il y a longtemps, ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais, c'est un gimmick en fait qui a dû venir sur scène, et finalement, il y a beaucoup de choses en fait que tu crées en improvisant, et finalement qui restent comme ça, comme à l'époque on utilisait beaucoup le calmement, et c'est aussi quelque chose qui est venu naturellement. Et pareil pour la gimmick, t'entends pas ou quoi, et c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui reste, et qui est une de nos marques de fabrique. Une signature, exactement. Alors, l'interview touche tout doucement à sa fin. Si je vous dis Strasbourg, vous me dites quoi? Qu'est-ce que vous connaissez de Strasbourg? Non, mais la laiterie, ouais. Parce que à l'époque, voilà, il y a un circuit de salles qu'on appelle les SMAC, et c'est vrai qu'à nos débuts, on a fait toutes ces salles là et puis la laiterie notamment, c'est une des salles qui était incontournable. Je pense qu'elle l'est même toujours pour les jeunes artistes, et c'est vrai qu'on a passé des très très bons moments dans cette salle, notamment pendant la période de promotion de l'album Le Bilan, où on a joué à la laiterie avec un super concert
Donc big up au public de Strasbourg. Et... ouais, ce qui est bien, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu du côté de Strasbourg. Il y a des endroits où on retourne assez régulièrement. Et puis Strasbourg, ça faisait un moment qu'on n'était pas venu de ce côté-là. Donc franchement, nous, on est vraiment contents d'être là. On sait qu'on va passer un bon moment. Le festival a l'air vraiment chaud. Là, il y a la première partie qui est déjà sur scène et ils ont l'air de bien ambiancer le truc. Donc non, ça nous évoque que des bonnes choses. En rentrant dans le festival, on a senti les bonnes odeurs, les bonnes vibes. Donc on parle plus de saucisses là. Ça va être cool. On parle plus de saucisses, non. Les saucisses, ce sera pour après le show. On a eu l'occasion de faire un petit tour déjà en arrivant et franchement, c'est impressionnant de voir autant de monde, autant de jeunes et cette énergie autour de la musique et de toutes les autres activités. Le skate et tout ce qu'on a pu voir, c'est franchement magnifique. Hey, cet adulte qui avait tellement de l'ambiance à cette époque-là, et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein? Hey! C'est fou ce que le temps passe vite. La vie, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre enfance, pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours rose, c'est peut-être ce qui nous a motivés. L'esprit était janek, marron, petit vagabond, la tête grainée. On préférait sécher les cours et rester spané au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles à l'époque. Dans les halls, les gangs breaks meurent parfois sous belle. Hey, boy, b-boy représentait Gare Charles. Je me rappelle, y'avait des bandes. Y'avait même des gangbangs. C'est vrai qu'on bandait à peine, mais on voulait partager nos kiffs, nos ambitions, objectifs. Devenir quelqu'un à point commun, celui de réussir par tous les moyens. Maintenant je comprends Benji que quand on était gamin, on avait le même itinéraire mais pas le même destin. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Benji, tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire? Le reste scotché sur nos bars, d'écouter MC qui déchire. Que dans nos premières rimes naissent les jeux de mots, puis les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner. Des MJC au son de système. Et puis on a un éclair, nous voici sous les projecteurs. On s'adapte et on domine, professionnel ou amateur. Tu le sais, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Au plus au sommet des hits de là, tout s'est passé si vite. C'est boule de neige, premier album, studio, promo, clip, vidéo. Les necks marrons s'exportent en live et prennent tous les publics. Dans les 4 mois de la France, on est parti foutre le tawa. Comme dans les avant-premières de Steel Pulse, les Fugees arrivent pas. On a tout déchiré le 22 mai à l'Olympia pour baptiser le concert mythique avec tout le secteur A. La musique m'a mis au fichal, qu'est-ce que j'aurais fait sans elle? J'ai esquivé les plans couchales, aujourd'hui je kiffe grâce à elle. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe tellement vite, t'as vu comment on a changé. Kija t'a pris du poids, Benji toi t'as encore poussé. Regarde ça se passe, tu brilles des pieds à la tête. Blanche basket de l'or au poignet jusqu'aux lunettes quartier. Pas plus que toi négro, respect au Congo. Toutes les rats me parlent de toi et puis son abisso. Merci, mais dis-leur que je suis plus le même. Que depuis j'ai un fils et aussi une femme qui m'aime. C'est ça, faut construire une famille, assurer sa descendance. Même si ce n'est pas encore mon heure, bien que chaque jour j'y pense. L'horloge tourne, les jours défilent, les années passent, nos vies changent. On évolue, chacun son destin, mais surtout chacun sa chance. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
RBS 91.9 FM. I don't give a fuck neither, motherfucker. I hope we find some bitches, man. I don't give a fuck. I'm motherfucking, we need to find us some hoes up in this motherfucker, man, for real. You know what I'm saying? Nigga, man, what the fuck is you slowing down for? Nigga, drive this motherfucker, fool. Bro, nigga, damn. We ain't get nowhere. We'll get nowhere, man. Driving like fuck a little, you, driving like a little bitch, man. You ain't driving this motherfucking Daisy, nigga. Just roll, nigga, shit. Yeah, you try to roll with your slow ass, nigga. Just roll, man. Some nice there, oh, there's some bitches right there, oh, hell yeah. Nigga, let's roll. It's on, motherfucker, yeah, nigga. Damn, I just can't wait, man. Nigga, horny as a motherfucker, man, dick on hard, nigga. I'm ready to fuck, nigga, straight up, nigga. Négro, j'ai beaucoup de soucis à régler. T'es qu'un fit boy qui mange des yaourts à léger. Ré, nique les suceurs de Quinry, j'fais pas dans la dentelle. J't'ai pas demandé ton avis, mon ami. Tu cherches la merde, puis t'as vu ma grandeur. Ok. On va t'attacher à la caisse et drainer ton corps dans un champ de maïs. T'as fêté ton deuxième poil de zob à 20 ans. Le printemps t'a donné des excès de folie. J'ai des infos sur le monde et sur le cul de ta propre daronne.
Baisser ton froc devant la foule et te voir chialer, ça fait partie de tout ce que j'adore. J'ai pris du niveau de l'intelligence, y'a pas de rivaux ni de gros méchants. Juste du pipeau, rien d'intéressant. Le petit minot pas plaisirant. J'paye le clip avec des libéraux. Dans le carnet j'ai pas de numéro. J'déprime mais j'ai pas pris d'héros. C'est Daryl, pas Calimero. J'la baisse, j'repeins son cul. Les murs et le faux plafond. Te mets pas dans mes pattes, ni ta remets. Tu seras un bon garçon. Quand j'te mets des patates, ouais, j'ai les manches retroussées. J'veux ma maison au Kansas, même si j'sais pas où c'est. Ils me trouvaient pas drôle avant que je perce. Merde, j'ai toujours pas percé. Y'a vraiment trop de choses à faire. Y'a ta chatte et le mur du son à traverser. T'es qu'un imposteur, gros. Et je vais pas te laisser faire. On t'a tous grillé comme l'arrêt du cul d'un technicien SFR. Nick, sa mère la picole. Nick, ta mère on record. Tu comprends pas quand tu dis de la merde on s'isole. T'es mort dans le premier épisode. Le sonar indique masse de saloperie. Si je fais une faute, t'as pas le droit de rire. Devant mon flow, les parois se brisent. Je me casse du rap dès que j'ai carotte le bif. Je mange le beefsteak devant Walker, Texas Ranger. Je prends du niveau chaque minute et c'est pétasse sans pleurs. Je me régale quand je graille ces bolos. Avant qu'on se pète, je savate des poteaux. Ma bitch, je la concu à celle de Rocco. Je démarre ma carrière avec Pastroco. Tu me donnes la nausée comme accent de sudiste. Je laisse tes pensées, mais je nique ce que tu dis. Un peu trop le melon pour un rap pas terrible. Un peu trop surcoté, je vais te faire atterrir. Je te répète à chaque son qu'on rigole pas. Et tu continues de faire le beau. Quoi tes gros bras, quoi tes gros pecs. Si tu soulèves mes couilles, bah tu te pètes le dos. Balèque de tes chaussettes Nike qui pue la branlette. Commence pas à clasher, tu vas tout foutre en l'air. Je suis meilleur dans toute réalité. Mon style a besoin de se débrider. Pourquoi vouloir tester? Pourquoi? Allez viens, on va se prendre une DSP. Ils disent que j'ai pas de respect quand je me branle sur Insta ou la carte SD. Pour ton père, pas ton temps si tu m'arrives au false. Moi qui est plus fou que ce Daryl au max. Si je te perds, tu tapes un coma. Je te laisse, je vais me prendre un domac. Ah le pute, moi. Eh, bande de filles. Eh, Armand, t'as signé le contrat ou pas? Eh. Au point où j'en suis, je n'ai rien à perdre. Maintenant mon âme va faire la fête. Autant prévenir, je n'aime pas les clashs. Mais s'il faut le faire, je traîne pas les pattes. Beaucoup négligé, trouve ça normal de rappliquer quand fait elle le taf. L'équation devient si facile. T'as peu d'amis qui aiment devant les risques. La bonne parole grandit dans mes titres. Mais nul n'est prophète dans sa ville. J'ai mes raisons de haïr les hommes. Je garde les femmes pour soigner mon corps. Je garde l'alcool pour changer mon mood. Tant que la vie me cassera les couilles. C'est le moment de changer d'équipe et de se taire car le ciel est gris. Il fait si beau là-bas chez les autres. Mais moi ici je n'ai que la pluie. Jouer contre moi, moi je préfère. Jouer contre moi, moi je préfère. Des sacrifices j'en ai déjà fait. Et non, nos vies ne sont pas les mêmes. Mon paradis n'est pas dans vos livres. Maintenant je cours vers l'autre rive. Je passe du temps dans des histoires noires. Je passe du temps à questionner mes choix. Je sors mon arme pour calmer ma dalle. Je sors de chez moi pour chercher du cash. Comment te dire, comment expliquer que j'ai du mal à t'imiter. J'aurais aimé faire comme tous les autres. Mais comme un con, moi j'oublie d'aimer. Maintenant je sais comment le monde fonctionne. Quand toi tu pèses, tout le monde se pomponne. Mais dès que des sommes deviendront légère, ta nudité souffrira l'hiver. Il fallait bien que je me révèle. Il fallait bien que je me réveille. Je déteste tant l'humain que j'étais qui attendait le ciel pour tenir sa main. Et nos ancêtres ont cru en ces choses. Et aujourd'hui nous faisons la même. Le problème du noir restera le noir. Ce n'est pas vos prières qui changeront ça. Les sacrifices j'en ai déjà fait. Et non, nos vies ne sont pas les mêmes. Mon paradis n'est pas dans vos livres. Maintenant je cours vers l'autre rive. Je suis meilleur avec la haine. Sans état d'âme je leur fais la guerre. Je n'ai plus le temps de faire la terre. Fermer les yeux, prier pour la paix. Je les vois tous qui épiment pas. Zéro soutien, ça ne m'étonne pas. Au point où j'en suis, je n'ai rien à perdre. Maintenant mon âme va faire la fête. Jouer contre moi, jouer contre moi. Qui es-tu pour moi? Tu n'es pas les nôtres. Jouer contre moi, jouer contre moi. Qui es-tu pour moi? J'en faisant la vivre.
Elle me demande de changer de culture, de stéréo car le ciel est gris. Il fait si beau là-bas chez les autres, mais moi ici je n'ai que la vie. Jouer contre moi, quoi je préfère. Jouer contre moi, quoi je préfère. Agressif, bang, ce mot est plus agressif, bang, bang, POPS, 68 000. Ce mot est plus agressif, ouais, ce mot est plus agressif, bang. Ce mot est plus agressif, que je joue à gauche, que je joue à droite, quand même est devant ou quand même est derrière. Comme bout de bouche, je suis toujours décisif. Les chatons, les crocs, elles ont sorti les griffes. Tu veux du soutien, mais je vois pas de soutif. On a mis 13 clips à la concurrence. Dis ta menace qu'on attend le débrief. Brief, la gamme elle arrive, toi tu fais tes courses. La gamme elle arrive, moi je prends même pas les frites. Je suis pas tout seul dans mon putain de délire. J'ai une commerciale et un gars qui est frite. Il t'a balancé pour pas prendre un enfer. J'aimerais voir ceux qui vont faire un enfer. Avec Johnny, avec Tupac et Vincent Madoum qui passe la serpillière. La prod est cool, cool, cool. Je la travaille, vaille, vaille. Le matos c'est bon, bon, bon. Je le détaille, taille, taille. La calache réveille, la voisine qui dort. La cala s'éteint, c'était un travail. J'habille les riches, pourtant je suis pauvre. Je paie pas d'impôts, donc je suis une racaille. J'hésite à mettre des refrains dans mes prochains sons. La concu les apprend par cœur. J'ai pas tout niqué, je suis pas Tony Parker. Même si j'ai boussole et un beatmaker. Mohamed Slay est rentré pour homicide. Moi ça fait 4 mois que j'assassine des prods. À mon âge, je me fais plus des amis. Mais plus le temps passe, plus je perds des potes. Je fume de la salade, je suis jamais malade. Je fume du Toshi, j'ai beaucoup d'inspi. Ça fait une 23 que je démonte la prod. Dis à la concurrence que se fait du souci. Mets-toi sur pause, et remonte le son. Remplis mon verre et mets des glaçons. Dis à ta fille de ne pas s'inquiéter parce que POPS a eu un garçon. Les meufs c'est des chatteurs, retombent sur leurs pattes. Les gars c'est des chaises, sont des magiciens. Ils tracent en lançant du bénéf en bouteille de Jack. Après ils se plaignent pourquoi ils sont en chien. Travaille pour gagner le SMIC, c'est pas une fierté, non c'est un abandon. On peut réussir dans tous les domaines. Haribo est riche en vendant des bonbons. Bang, la prod est cool, cool, cool. Je la travaille, vaille, vaille. Le matos c'est bon, bon, bon. Je le détaille, taille, taille. La calache réveille, la voisine qui dort. La calache s'éteint, c'était un travail. J'habille les riches, pourtant je suis pauvre. Je paie pas d'impôts, donc je suis une racaille, yeah, bang. POPS, bang, 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 bang. Oui, oui. POPS. Ça reste NBB, Baka, c'est des Mimed, Nebil, ça ne bouge pas d'être elle. Je suis un connard qui va te laisser faire un bâtard. Elle veut du caviar donc c'est elle qui fait le canard. Elle a trop soif, cette pétasse veut s'hydrater. Elle est rythmée par les mouvements qui sont donnés. Cette salope qui kiffe trop faire du poney. Ça pousse des cris comme un bébé à la naissance. Je prends conscience que cette connasse vient pas de France. Stras bitch pour tous ces mauvais gars. Passe-moi mon briquet, passe-moi mon tagaf. Ico il me faut les thunes, je veux du Goya. Je veux du Goya, je veux du Goya.
fête dans le monde nouveau. Chica, Chica, hey, Chica. Enchaîner les cocktails jusqu'à plus soif. Kicker des freestyles, profiter de la life. Oublier le quotidien, mettre de côté les petits tracas. On rêve de la belle vie dans une villa, une belle vue. Fini la vie trop speed, le patron nous appelle plus. Avoir la mer à perte de vue, j'avoue saturé. Besoin de respirer de l'air pur, ouais je sature frère. Ramener mes gars sur ma famille, quelques potos. Mais pas sur la côte d'Azur, c'est plein d'oseille et plein de robots. Fini les impôts, les taxes. Les tasgars sur nos tronches et potos, fais gaffe, le soleil tapant, vas-y doucement sur le ponche. Éponger nos dettes, ne plus payer le proprio. À force de remplir mon assiette, j'avoue, j'ai un peu pris gros. Mais fuck, on tape un foot pour éliminer tout ça. Passement de jambes, pipe pour roulette en mode c'est des sao. J'ai encore dû rêver. 9h, j'arrive au job, j'aurais pas dû me lever. Encore un cassos de plus qui vient pour me les briser. Son assurance a augmenté, menace de résilier. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, je voudrais vivre autrement. Plus finir mes fins de mois, à devoir compter bêtement le temps qu'il me reste. J'aimerais le passer à kiffer, ne plus être en mode stress. H24 toute l'année, mener la belle vita. Mettre les miens à l'aise, des problèmes hasta la vista. Je ne suis plus dans ces tièses. En attendant, je retourne au taf, faute de mieux. L'objectif, faire du chiffre et me barrer. Dang, ouais, je tous de se marrer, se marrer. Au moins 13 mois dans l'année. Stress pas, j'ai pas le temps de parler. Obligé de graffer pour me rappeler. Qu'on rêve tous de se marrer, se marrer. Au moins 13 mois dans l'année. Stress pas, j'ai pas le temps de parler. Obligé de graffer pour me rappeler. Qu'on rêve tous de se marrer, se marrer. Au moins 13 mois dans l'année. Stress pas, j'ai pas le temps de parler. Ha 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 ha.